أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tous ceux qui nous suivent à travers le monde, c'est la DDR, la Dawa dans la rue. Nous sommes en direct ce soir pour une émission, voilà, une émission comme d'habitude, le direct. Voilà, nous sommes en direct depuis les locaux de la DDR. Voici un peu les aléas du direct. Ça n'a pas encore bien commencé, mais restez scotchés parce qu'aujourd'hui, nous avons été contactés, attends qu'il est là, je vais le réactiver. Nous avons été contactés par beaucoup, beaucoup de frères chrétiens qui veulent quand même venir s'affronter, hein, ou bien encore croiser la DDR pour démontrer ce côté que la DDR n'est pas d'accord. Thème d'aujourd'hui, qui est Jésus-Christ selon la Bible? J'allais même dire selon le Coran. Hein, je vais ajouter plus tard, selon le Coran également. Qui est Jésus-Christ selon le Coran et la Bible? Retenez ceci, la DDR n'a jamais, en tout cas à ma connaissance, ou encore de mémoire, j'ai pas oublié, on n'a jamais proposé nous-mêmes des thèmes à quelqu'un. Ce sont les personnes eux-mêmes qui viennent toujours de proposer des thèmes. On leur demande, quel est le thème que vous voulez? Jésus-Christ est-il Dieu? Jésus-Christ est-il Dieu? Donc, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas refuser. Donc, cela étant, nous avons en notre compagnie aujourd'hui, je vais faire afficher le nom du frère, on va voir qui est. Il s'appelle François Oba. François Oba, bonsoir depuis ta position camerounaise. Bonsoir, grand frère Oustas Diané de beaucoup la Côte d'Ivoire. Merci d'être là ce soir pour ce débat. Bonsoir également au frère Nourdine. Merci beaucoup. Nourdine, vous le connaissez déjà. C'est l'un des académiciens de la DDR. Il est également le caméraman, le technicien, celui qui est à la barre sur YouTube, sur Facebook. N'est-ce pas? Nous a donné les bonnes images quand nous étions au Mali avec Abdelmadjid. Inch'Allah, on sera au Burkina encore une fois pour la même mission, Inch'Allah. Et en Guinée, pourquoi pas? Voilà, Nourdine, bonsoir. J'allais même dire assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. On va revenir tout à l'heure. Mais il y a une information de détail que je vais passer maintenant. Avant de passer aux choses sérieuses, vous voyez la bande-annonce qui passe au bas de l'écran. Il est dit ceci. La DDR sera, n'est-ce pas, Inch'Allah, le jeudi 26. J'allais dire du jeudi 26. Voici la bande-annonce. La DDR à Bangourou du vendredi 27 à Agnansoué. Hein, je l'ai dit déjà, nous serons à Bangourou, donc vendredi 27 à Agnansoué, de 16h à 18h à la place du Carrefour. Le samedi 28 à l'espace de la solidarité au château à Bangourou. Et le dimanche également à Bangourou pour l'apothéose. Mais en attendant, avant la fin de cette émission, je vais bien régler l'annonce parce qu'il y a des phrases qui manquent, tel que le dimanche et tout ça. Inch'Allah ta'ala. Mais avant, on va réafficher le thème d'aujourd'hui. Thème. Qui est Jésus-Christ? Il est qui? D'autres disent qu'il est Dieu. Il y en a qui disent qu'il est fils de Dieu. D'autres disent c'est un envoyé de Dieu. Certains même disent c'est un ange. Il y en a qui disent il est 100% homme, il est 100% Dieu. Vraiment. Donc voilà. Donc, s'il y a des personnes qui proposent des thèmes tels que l'islam, ou bien Allah est-il le vrai Dieu, nous sommes ouverts. Ou bien l'islam est-il une vraie religion, nous sommes ouverts. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est-il le sauveur de l'humanité, nous sommes ouverts. La Bible et le Coran, y a-t-il la parole de Dieu dans la Bible et le Coran, nous sommes ouverts également à tous ces thèmes-là, Inch'Allah. Demain, Inch'Allah, vous allez retrouver, si tout se passe bien, connaît l'un des membres du groupe de la DDR également. Il est l'imam chargé des convertis. Lui aussi, il va passer au scanner ici, face à un frère chrétien, qui ne voulait pas qu'on voit son visage. Il ne veut pas qu'on voit son visage. Il est au Sénégal. Nous lui avons dit, bon, pour lui, on va faire ça au téléphone. Mais pour qu'on ait Inch'Allah demain, on va trouver le frère. Il est en RDC. Voilà, c'est un pasteur. Bon, je pense que c'est un pasteur. Mais il est au Congo. Il est en RDC. Lui va passer demain, Inch'Allah, peut-être à la même heure, avec Kone pour le scanner. Et le dimanche, Inch'Allah, je vais recevoir un ex-chrétien qui s'est converti à l'islam, qui est aujourd'hui quelqu'un qui veut rendre des témoignages pour montrer que vraiment l'islam l'a changé. L'islam est une vraie religion. Ça, c'est dimanche, Inch'Allah. Je crois que ça va être vers 16h, si tout se passe bien, en tout cas, Inch'Allah. Ou à 20h. Mais le plus important, c'est que abonnez-vous. Si vous êtes abonné, vous n'allez rien rater.
Mais avant de commencer l'émission, on va retourner au studio où vous passez cette salmodie du Coran. Et dès qu'on revient, je vais donner 5 minutes d'introduction à chacun. Mais au milieu de l'émission, Inch'Allah, je vais vous passer une annonce parce qu'on a un frère qui est converti, qui est au Cameroun, qui est vraiment malade. La famille l'a rejeté. Voilà, c'est toujours comme ça. La famille l'a rejeté. Ils lui ont dit, s'il ne retourne pas dans le christianisme, ils ne vont jamais s'occuper de lui. Affaire à suivre. Aziz Khan même m'a envoyé une note vocale de vous faire écouter et nous, on va essayer de mobiliser la communauté musulmane, même du côté du Cameroun. Hein, ils vont essayer, le prêtre qui est en face, c'est un chrétien, il est au Cameroun. Donc, les numéros sont là. Je vais pas passer les numéros, Inch'Allah, tout à l'heure. Je vais donner les numéros à l'antenne et vous allez essayer de les appeler du côté du Cameroun, vous qui êtes dans le monde, tout à l'heure, pendant l'émission, vous allez voir. Mais en attendant, on retourne en studio, Inch'Allah. Nous sommes de retour, sans oublier que la DD, Inch'Allah, on sera tout maudit également. Je passe l'information, tout maudit, acte 2, du 3 au 4 juin, à la place Bazazouzou, 21-22h, passe le message à ton voisin. Sans plus tarder, mon frère, comment il s'appelle déjà, je passe aussitôt, François Oba, vous avez 5 minutes, voici le chrono, le compteur est à zéro. Top chrono, c'est parti. 5 minutes introduction, mon frère François Oba. Merci, cher frère Oustaz Djané. Merci, cher frère Nouridine. Je remercie l'Éternel pour cette possibilité qu'il nous accorde de partager sa parole, car la parole de Dieu est claire, qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent l'Évangile. Je vais y aller droit au but. Qui est Jésus-Christ de Nazareth? En effet, c'est l'être dont on parle le plus dans l'univers. C'est un être qui occupe une place de choix, non seulement auprès de ceux qui le suivent, c'est-à-dire les Nazarens ou alors les chrétiens. Il occupe aussi une place de choix dans l'islam. C'est un personnage unique, c'est-à-dire deux religions qui se revendiquent du livre, c'est-à-dire l'islam et le christianisme, se revendiquent comme étant des gens qui connaissent Jésus-Christ. C'est la preuve de la place importante que Jésus-Christ joue dans l'univers. Et j'en veux pour preuve, dans le Coran déjà, on nous cite plusieurs fois un individu qui est présenté comme étant l'équivalent de Jésus dans la Bible. Il porte le nom d'Issa. À plusieurs reprises déjà, on nous parle d'Issa dans le Coran. Issa dans le Coran est même plus mentionné que Muhammad. C'est-à-dire, cela signifie le rôle clé que ce Issa joue. Maintenant, beaucoup de gens se taraudent l'esprit. Quant à savoir qui est même véritablement ce Jésus, qui est Jésus-Christ? Et la meilleure réponse se situe dans les Écritures. Il faut déjà se rappeler que Jésus est le seul personnage de l'univers dont le statut a été annoncé avant qu'il ne vienne en chair, dont le lieu de naissance a été annoncé avant qu'il ne vienne en chair, dont la mission a été annoncée par plusieurs prophètes. Et la Bible nous dit en Matthieu 23, verset 34, je vais le lire, parce qu'on ne parle pas pour parler. Matthieu 23, verset 34 nous précise ceci. Matthieu 23, verset 34 nous dit, voici, je vous envoie les prophètes, vous tuerez les uns, vous persécuterez les autres. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Ce verset essaie de nous faire comprendre que Jésus dit que c'est lui qui envoyait les prophètes. Maintenant, qui est donc véritablement Jésus? Jésus est une translittération du mot grec qui veut dire Yesus. Yesus, qui est du grec, qui lui-même vient de l'hébreu, qui signifie Yehoshua. Que signifie Yehoshua? Ça signifie Dieu sauve. Dieu lui-même qui vient sauver le monde. Sauver le monde de quoi? Sauver le monde du péché adamique. Sauver le monde de la condamnation dans laquelle l'humanité était plongée depuis Adam. Maintenant, qui est Jésus-Christ? Nous allons lire déjà ce que les prophètes disent de Jésus. Commencez par le dernier prophète qui annonce Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons entendre ce que dit le prophète Jean-Baptiste de Jésus-Christ. Je vais commencer par l'évangile tel que rapporté par Jean. Nous allons déterminer ce que dit Jean au sujet de Jésus-Christ. Voilà.
Je vais lire, si vous me le permettez, Jean 1, à partir du verset 32. Jean a rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Je vais revenir quelques versets plus tôt. On nous dit, on demande à Jean-Baptiste ceci. Voici le témoignage de Jean, ça c'est le verset 19 de Jean 1. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi qui es-tu ?» Il déclara « Et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. » Et il lui demandait « Quoi donc ? Es-tu Élie ?» Et il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète ?» Et il répondit « Non. » Il lui dit « Alors, qui es-tu ? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi ? » Mais moi, c'est Jean-Baptiste qui parle, dit-il, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. » Comme a dit Esaïe le prophète, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Qu'est-ce que Jean-Baptiste nous dit? Il nous dit que celui qui l'annonce, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi on appelle Jésus le Seigneur. Voilà. Jésus-Christ dit clairement qui est donc Jésus-Christ. Jésus-Christ est ce Dieu-là qui a pris une forme humaine. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même dit qu'il est Dieu en Apocalypse 21, verset 7. Voici, celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. J'en ai terminé pour le moment. Je laisse la seconde qui me reste pour le frère Nourjin pour qu'il dise également ce qu'il a dit pendant ces 5 minutes. Merci. Merci beaucoup, mon frère Obama. Merci beaucoup. Il a laissé quelques secondes. Je prends ces quelques secondes-là pour dire à tous ceux qui nous sont à travers le monde, la DDR sera à Abangourou le vendredi 27, sinon le jeudi, du jeudi 26 au dimanche 29. Hein? Mais déjà, le vendredi, nous serons à Niassoué, samedi à Abangourou, 20h-22h, dimanche à Abangourou, 20h-22h, mais le jeudi, disons le vendredi, c'est 16h-18h à Niassoué. Nourdine, tu as 5 minutes pour répondre à le frère qui a prouvé, avec les versets à l'appui, hein, Jésus-Christ est Dieu, parce que même dans le Coran, il a touché un peu quand même. Donc, on y va, 5 minutes d'introduction, c'est parti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل وإن الباطل كان زهوقا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لوانج الله سبحانه وتعالى الله لو كرياتور دي سيو دي لا تير الله كي نو دور با الله كي نو سومنال با الحمد لله ميرسي او فري فرانسوا اي بي ميرسي او سوساز. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur tous, Inch'Allah. Je vais aller aussi tout droit au but. Le frère, moi, je pensais que tu allais aller, tu mets au corps, tu l'as dit, tout droit au but. On t'attend faiblement, je ne sais pas pourquoi. Essaye de voir ton téléphone, mets un peu le volume de ton téléphone. Vous m'attendez maintenant? Ouais, ça va, allons-y. Voilà. En fait, je disais, le frère dit. Il va aller tout droit au but et qu'il va demander à Jésus-Christ qui il est, en réalité. À ma grande surprise, je vois qu'il a pris le livre de Matthieu 23, 34. Il dit que c'est Jésus-Christ qui envoie les prophètes. J'ai dit non, tu dois utiliser les propos de Jésus-Christ. Il lui a dit qu'il est Dieu, effectivement. Jésus-Christ a dit dans Jean 14, le verset 24, où il dit « C'est lui qui n'aime pas, ne gâte pas mes paroles, car les paroles que vous attendez n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est le fils de Dieu? Est-ce qu'il est lui qui envoie le prophète? Bon, en tout cas, le frère François a fait vraiment la gymnastique, vraiment. Je vais essayer de l'aider, Inch'Allah. Jésus-Christ s'entretenait avec une femme devant le puits que les grands-pères Jacob a légué et que la femme dit à Jésus-Christ. Elle dit, la femme lui dit, Jean 4, à partir du verset 25. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » La femme dit à Jésus-Christ, elle est devant Jésus-Christ, elle a même fait boire à Jésus-Christ de l'eau de cette puits-là, et elle est en train de s'entretenir avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va lui répondre. Jésus lui dit, au verset 26, Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. »
Jésus dit, il est le Messie, lui qui parle à cette femme-là. Et je pense que jusqu'à la fin du débat, je donne le temps au frère de me donner le passage où Jésus-Christ a dit, n'est-ce pas, qu'il est Dieu et qu'on doit l'adorer, et qu'il est Dieu et que c'est lui que les gens ont adoré également. Donc, je pense que c'est mon introduction qui est mon introduction, c'est là, Inch'Allah, mon introduction qui est là, Inch'Allah. Ok. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Vous qui nous suivez à travers le monde, merci d'être connecté. Merci, merci d'être connecté. On va tout à l'heure passer la parole au frère Oba, mais en attendant de lui passer la parole, je vais passer un communiqué tout à l'heure. Et ce communiqué est de qui? Et est de notre frère. On a notre grand frère Koulibaly qui est en France. Voilà, et également Aziz Khan a envoyé également un message que je vais vous faire écouter tout de suite et maintenant, et on va passer, et puis je vais donner le numéro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir mon frère, je te contacte urgemment, n'est-ce pas, pour que tu fasses cette annonce. On a tous des problèmes, mais ce problème-là, c'est tellement grand que j'ai oublié. Bon, il est tombé malade. On veut qu'il retourne d'abord à la mécréance, au christianisme, avant qu'il les soigne. Donc, sur le groupe WhatsApp, on a entré, ça a aidé un peu. Mais moi, c'est un peu lent. Parce que chaque mois, c'est un truc de 350 000 francs. Si tu peux, par mon nom, ça je le fais solennellement, si tu peux, par mon nom, dire Aziz Khan a un des qui est converti aussi, qui est gravement malade. Et tu essaies de faire un truc comme ça à cause d'Allah, pour ceux qui peuvent venir en aide, Inch'Allah, donc à faire un geste. Ça, tu mets mon nom devant, quoi, solennellement, Inch'Allah. Merci beaucoup, mon frère. Voilà. Donc, vous avez entendu, Aziz Khan est dans un groupe WhatsApp où on encadre où il y a des débats, il y a des échanges et tout ça. Il y a un frère camerounais qui est là-bas, qui est gravement malade. Et les gens, sa famille l'a rejeté, complètement rejeté, tout simplement parce qu'il est musulman. Ils lui ont demandé de retourner à l'islam, disons dans le christianisme. Sinon, il n'y a aucun souci, on ne peut pas l'aider. Donc, ceux qui ont entendu ce message sur lequel je vais revenir, voilà, je vais donner le numéro que vous devez contacter directement, pas moi, hein, voilà, parce qu'il faut directement appeler les concernés, le grand frère du malade ou bien les frères du malade et tout ça. Djibril, hein, le frère en question, qui est au Cameroun auprès du malade, qui est un ami à lui, celui-là même qui les encadre dans l'islam, il s'appelle Mohamed Djibril. Il est au plus 237, 78, 18, 59, 25. Je reprends, plus 237, 78, 18, 59, 25. Il s'appelle Djibril Mohamed. Et avant la fin de cette émission, je vais revenir sur cette information parce que c'est une affaire de la communauté musulmane. Nous avons, c'est vrai, d'autres problèmes qui sont là, mais en même temps, quand il y a une urgence, il va falloir, n'est-ce pas, se manifester. Plus 237, 78, 18, 59, 25. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Yves Niaouré. Merci, mon frère. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Aziz Khan m'a envoyé le message, de faire passer le message. Voilà, Djibril Mohamed. Voilà, voilà. Ils sont en train de partager. Merci beaucoup, les gars, de partager le numéro. Je repasse le voice de Aziz Khan pour que nous puissions comprendre l'ampleur de la chose. Vraiment, c'est une affaire de la communauté musulmane. En attendant que le frère qui va débattre avec, le débat va continuer avec Nouroudine, je repasse l'audio d'Aziz Khan. Et en même temps, par ma voix également, en tout cas au nom de la communauté musulmane, on a un frère qui est en détresse du côté du Cameroun. Ceux qui sont au Cameroun, vous pouvez déjà appeler le numéro. Voici le numéro que les frères sont en train de partager sur l'écran. Donc, plus 237, 78, 10, 59, 25. Aziz Khan disait ceci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir mon frère. Je te contacte urgemment, n'est-ce pas? Oui. Pour que tu fasses cette annonce. On a tous des problèmes, mais ce problème-là, c'est tellement grand que j'ai oublié pour moi-même, quoi. Non. Donc c'est un frère qui est au Cameroun.
sa famille est native. Bon, il est tombé malade. On veut qu'il retourne d'abord à la mécréance, au christianisme, avant qu'il les soigne. Donc, sur le groupe WhatsApp, on a essayé d'aider un peu, mais vraiment, c'est un peu lent. Parce que chaque mois, c'est un truc de 350 000 francs. Si tu peux, par mon nom, non. Ça, je le fais sur l'enlèvement, si tu peux pas. Aziz Kana a un de ses frères qui est au Cameroun, qui est comme si aussi, qui est gravement malade. Et tu essaies de faire un truc comme ça, à cause de là, pour ceux qui veulent venir en aide, Nishat. Par ceux qui peuvent venir en aide. Donc, on fait un geste. Ça, tu mets mon nom devant, quoi. Il n'y a pas de souci. Merci à toi. Et voici l'image du frère en question. Je vais vous montrer, ça fait tellement pitié. Il est resté seulement les os. Voilà ceux qui peuvent le voir. Le voilà qui est là. Le voilà qui est couché. Voici l'image, il est couché là. Vous le voyez à terre. Donc sa famille l'a rejeté complètement. Voilà, parce qu'il est musulman. Il est converti à l'islam. Ils ont les moyens, certes, mais ils lui ont donné une seule condition. Convertis-toi à l'islam, disons au christianisme, et on va t'aider. Chers frères et sœurs, vraiment, qu'Allah nous en préserve. Vraiment, 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 comme voilà le numéro. Abbas Mamoudou, depuis Djekano, merci beaucoup de nous suivre. Merci à ceux qui partagent le numéro. Le frère est revenu. Voilà, il est revenu. On va voir ce que ça va donner, Inch'Allah. Avant la fin de cette émission, je vais essayer à la technique, à la régie ici, de faire passer l'image dans le stream là pour que ça puisse passer. Mais je pense que par la grâce de Dieu, je peux le faire. Mais en attendant de le faire, Nouroudine, voilà, vous êtes là, tout le monde est là. Mon frère, tu es revenu? Allô, mon frère, tu es là? Est-ce que son micro est fermé? Ah, son micro est fermé. Oui, allô, vous avez la parole. Tu as 5 minutes, mon frère. Ah. Tu as 5 minutes. Oui, c'est à moi. Oui, c'est à toi. Ça... D'accord. Le frère Nouredine m'a demandé tout à l'heure de lui dire où est-ce que Jésus-Christ dit qu'il est Dieu. S'il était attentif, il aurait compris que j'ai déjà donné ce verset. Apocalypse 21, verset 7. Maintenant, il est intéressant de nous référer aussi à ce que disent les interlocuteurs de Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre. Nous allons lire Jean 20, verset 28. Tu as 10 nous allons minutes, lire exactement. 10 minutes. Jean 20, verset 28. Et j'espère que le frère Nouredine me comprend très bien. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Thomas appelle Jésus-Christ Dieu. C'est alors, une vérité indiscutable. Maintenant, pourquoi est-ce que les chrétiens disent également que Jésus-Christ est Dieu? Jésus-Christ est Dieu parce que il le déclare lui-même non seulement, mais aussi parce que le terme de Christ qu'il porte signifie à lui tout seul grand-chose. Que signifie Christ? Christ signifie oint. Christ signifie oint en grec. Et ce terme de oint-là vient de l'hébreu machia, qui signifie oint, tel que je l'ai déjà dit. Et en Jean 12, allô? Allô, tu m'entends? Oui, je t'entends. Allons-y, Nouroudine est déconnecté. S'il m'entend, il n'a qu'à se déconnecter. Je lisais Jean 12, verset 34. Nous allons savoir ce que les Juifs disent du Messie. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Éternellement. Nous savons que l'éternité est un attribut que seul Dieu a. Un être humain normal ne peut pas être éternel. Qui qu'il soit, même s'il est surnaturel, même s'il est comment, un être humain est éternel. Lorsque nos auditeurs prennent le dictionnaire Larousse ou alors n'importe quel autre dictionnaire et cherchent la définition du mot éternel, ils voient là la définition du mot éternel comme étant celui qui n'a ni commencement ni fin, ou alors celui qui n'a pas de fin. Nous allons lire Apocalypse 1, verset 18, où Jésus-Christ confirme encore le fait qu'il est éternel. Apocalypse 1, verset 18. Qu'est-ce que Apocalypse dit là-bas? Qu'est-ce que Jésus dit là-bas? Jésus dit ici, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant
au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je sais que le frère Nourdine ou alors n'importe quel musulman va me dire que, mais comment est-ce que tu dis que Jésus est éternel et alors qu'il dit ici qu'il est mort? Il ne s'agit pas de son esprit, parce qu'en effet, Jésus-Christ est esprit avant de prendre chair en tant qu'homme. Il est esprit. Voilà pourquoi le Coran en sourate 4, verset 171, lorsqu'on lit le Coran en arabe ou alors en translittération arabe, on y lit là-bas que Issa est Ruh Allah, c'est-à-dire esprit de Allah. On n'a pas dit que Issa est homme de Allah. On a dit qu'il est esprit de Allah. Et c'est la même chose que dit la Bible. La Bible dit que Jésus est un esprit. La Bible le dit en Apocalypse, en Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. Même le Coran le dit. Le Coran dit que Issa est Kalima de Allah. Or, le Coran nous renseigne également que tout a été créé dans l'univers à partir de la parole. Or, Issa dans le Coran est le seul individu qui revêt le titre de Ruh Allah et de Kalima Oula. Je mets au défi qui n'importe quel musulman, le frère Nourdine en premier, de nous donner l'identité de quelqu'un dans le Coran qui est présenté comme étant Ruh Allah ou alors Kalima de Oula. Ou alors Kalima de Allah. Ruh qui signifie esprit ou alors souffle. Issa est le seul dans le Coran qui est présenté comme étant Ruh Allah et Kalima de Allah. Maintenant, que nous dit Jean 1, verset 1? Très intéressant, Jean 1, verset 1, nous allons connaître l'identité de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est exceptionnel, Jésus est exceptionnel parce que le Coran nous dit à la fois qu'il est Kalima de Allah. La Bible nous dit également qu'il est parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On nous dit clairement que Jésus-Christ est Dieu. Verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Jésus dit qu'il est le commencement et la fin. Toutes choses ont été faites par elle. Par qui? Elle, et elle est mise par, pour la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Tous les hommes savent que seul Dieu donne la vie. Voilà pourquoi Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, car seul Dieu donne la vie. Or, Jésus dit qu'il donne la vie, ça veut dire qu'il est Dieu. Car il a dit le Père et moi, nous sommes un. Maintenant, un musulman va me dire que si vous dites donc qu'il est Dieu, pourquoi est-ce qu'il se met à faire des prières, à adresser des prières? Luc 6, verset 12. C'est simplement parce que c'est simple. Jésus-Christ, en venant dans ce monde, a pris une forme d'homme, mais cela n'enlève à rien le fait qu'il soit homme. Allons-y, continue. D'accord, je ne sais pas s'il m'écoutait quand même quand je développais. J'écoutais. C'est pas grave, il va te prendre en cours, c'est pas grave, allons-y. D'accord. J'ai dit grosso modo que Jésus est Dieu, j'ai cité Apocalypse 21, verset 7, où lui-même dit qu'il est Dieu. J'ai cité Jean 20, verset 28, où Thomas, son disciple, dit qu'il est Dieu. Et j'ajoute même encore Luc 24, verset 52, où les Juifs, qui sont par essence monothéistes, se prosternent devant Jésus et l'adorent. Preuve qu'il est Dieu. Luc 24, verset 52, je peux lire pour le frère Nourdine, Luc 24, verset 52. Pour eux, on parle des disciples, après avoir adoré Jésus, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Nous remarquons ici que Jésus-Christ est adoré. Est-ce qu'un homme est adoré? La réponse est non. Nous lisons encore à Matthieu 2, verset 11, où Jésus-Christ clairement, il est encore là le par les mages. Jésus-Christ est adoré par les mages. Apocalypse, Matthieu 2, verset 11. Qu'est-ce qu'on nous dit à Matthieu 2, verset 11? Il mis pour les mages, entrait dans la maison, vit le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternait et l'adorait. Se prosterner et adorer est défini de la même manière en langue grecque, parce que nous savons que ça a été écrit en langue grecque, l'évangile, et le grec parle de proskuneo, c'est-à-dire adorer, c'est-à-dire prosterner. Donc les mages se sont prosternés et ont adoré Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Jésus-Christ dit encore que celui qui croit en lui a la vie éternelle. Jean 6, verset 47. Est-ce qu'un homme ordinaire peut donner l'éternité? Non, car aucun homme n'est éternel. Seul Dieu est éternel. Du moment que Jésus-Christ donne l'éternité, ça veut dire qu'il est Dieu, parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il, parce qu'un être ne peut donner que ce qu'il a. Jésus-Christ a pris une forme d'homme et il donne l'éternité à quiconque croit en lui. En Jean 10, verset 28, il dit même encore que
Ceux qui croient en moi, mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent et elles me suivent, je leur donnerai la vie éternelle et personne ne les arrachera de ma main. Est-ce qu'un homme peut dire qu'il donne la vie éternelle? Nulle part dans le Coran, nulle part dans la Sunna, Muhammad dit qu'il donne la vie éternelle. Nulle part. Je mets n'importe quel musulman au défi de nous dire quel individu dans l'univers a dit qu'il donne l'éternité à part Jésus. C'est la preuve qu'il est Dieu. Maintenant, Jésus. Oui, maintenant, Jésus-Christ dit qu'il est encore Dieu lorsqu'il dit celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Jésus ne parle pas de sa chair et de son sang de manière littérale. Il parle de sa parole parce que la parole qui sort de la bouche de Dieu donne la vie éternelle. Voilà pourquoi il dit, lorsqu'il est tenté par le diable en tant qu'homme, dans sa position d'homme en prenant une forme humaine, Satan lui dit, prosterne-toi ou alors mange de ses transforme ses pierres en pain, car il a dit qu'il transforme ses pierres en pain, et Jésus lui répond qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand Jésus-Christ dit également qu'il est le pain, que son corps est une véritable nourriture, et son sang est une véritable boisson, et que quiconque mange sa chair et boit son sang à la vie éternelle, ça signifie qu'il est Dieu, car seul Dieu donne l'éternité. Un homme ne peut pas donner l'éternité. Qu'on ne vous trompe pas, mes chers musulmans. J'ai également cité les versets coraniques où Issa est présenté comme étant Kalima de Allah. Un homme ordinaire ne peut pas être Kalima de Allah. Un homme ordinaire ne peut pas être. Sa connexion. Il est en retard, il est en retard, il est en train de montrer. Non, nous dites, mais lui, là, il va te dire. Parce que là, il est. Attends, voilà. Seul Issa. Seul oui. Issa. Allons-y. Il te reste quelques secondes. Ah, c'est ça, les alliés du direct. Il faut avoir une bonne connexion. D'accord, c'est pas grave. Mon frère, voilà, tu es arrivé à thème. Hein, tes 10 minutes sont écoulées, mais Nourdin a compris quand même. Même s'il n'a pas. Il n'était pas là pour voir tous les versets que tu as donnés. Tu as dit que Jésus est Kalimatullah dans le Coran. Même dans le Coran, il est la parole d'Allah. Tu as donné également Jean 10, verset 30, je crois. Jean 1, 36, etc., etc. En tout cas, c'est le débat du jour. Mais en attendant, j'ai pu passer l'image du frère en question qui est malade, qui est au Cameroun. Donc, comme je l'ai dit, je vais faire passer son image. Vous allez voir. Hein, voilà, la technique, c'est aussi ça. J'ai pu réussir son image, la voici. Voici son image qui est là. Vous voyez le frère qui est couché. Donc, vraiment, essayons de lui de l'aider. Donc, le numéro qu'on m'a donné, ils m'ont même envoyé une vidéo. Grand cool. Si tu me suis en direct, voilà, la vidéo, tu peux l'envoyer sur mon 47, s'il te plaît. Voilà. Donc, le numéro que vous devez appeler, ce n'est pas mon numéro, s'il vous plaît. Ce n'est pas mon numéro parce que si vous devez envoyer l'argent, pourquoi on l'envoie? Non, ça va être compliqué. Directement, appelez celui qui est représentant auprès de lui directement là-bas. Plus 237, 78, 18, 59, 25. Je reprends. Plus 237, 78, 18, 59, 25. Vraiment, voici le frère qui est couché. Il était chrétien. Il s'est converti à l'islam. Toute sa famille l'a abandonné. Voilà, la dernière fois, les gens étaient en train de faire des émissions. Voilà, pourquoi quand quelqu'un s'est converti à l'islam chez les musulmans, vous le chassez, vous faites ceci, cela. Voilà un cas. Il s'est converti à l'islam. Il est devenu musulman. Sa famille l'a abandonné. Pourquoi? Il faut qu'il retourne, n'est-ce pas, à cette voie où il était. Voilà pourquoi Aziz Khan nous a fait parvenir un audio que vous allez écouter, s'il vous plaît. Allons-y. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir mon frère. Je te contacte urgentement, n'est-ce pas, pour que tu fasses cette annonce. On a tous des problèmes, mais ce problème-là, c'est tellement grand que j'ai oublié pour moi-même. C'est un frère qui est au Cameroun. Sa famille est nette. Bon, il est tombé malade. On veut qu'il retourne d'abord à la mécréance, au christianisme, avant qu'il les soigne. Donc, sur le groupe WhatsApp, on a entré et s'aider un peu, mais vraiment, c'est un peu là. Parce que chaque mois, c'est un truc de 350 000 francs. Si tu peux, par mon nom, ça je le fais solennellement, si tu peux, par mon nom, dire Aziz Khan à un de ses frères qui est au Cameroun,
qui est converti aussi, qui est gravement malade. Et tu essaies de faire un truc comme ça. À cause de ceux qui veulent donner l'aide, Inch'Allah. Donc, à faire un geste. Ça, tu mets mon nom devant, quoi, solennellement, Inch'Allah. Merci beaucoup, mon frère. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Vous voyez l'image à l'écran. Donc, voilà un peu ce que Aziz Khan nous a dit. Et nous sommes de cœur avec le frère. Grand frère Koulibaly, cool, qui est en France, il m'a envoyé même une vidéo du frère. Ça, cette vidéo, elle est très sensible. Je ne peux pas la faire passer parce que, voilà, au risque que la vidéo soit voilà, sanctionnée, comment je peux le dire. Donc, voici le numéro que vous pouvez appeler, Inch'Allah Ta'ala. Plus 237, 78, ce n'est pas 67. Le Cheikh Wagé, tu as mis 67 là, ce n'est pas ça. Plus 237, 78, 18, 59, 25. Plus 237, 78, 18, 59, 25. Il est au Cameroun. Voilà, les gens ont essayé de l'appeler. Certains vont appeler, ceux qui peuvent appeler, qu'ils appellent directement sur ce numéro, pas moi mon numéro. Appelez-le directement, puisque c'est au Cameroun, parce que Côte d'Ivoire, Cameroun, on ne sait pas comment ça va fonctionner, mais directement appelez-le depuis le Cameroun, Inch'Allah. Ce n'est pas lui-même que vous allez avoir des frères musulmans qui sont auprès de lui, qui sont en train de l'apporter assistant, parce que sa famille l'a chassé. Donc, il est chez des frères musulmans. Ce sont les numéros de ces frères musulmans là que nous avons donné là, à l'antenne, avant la fête de cette émission. Nous allons y revenir. Nourdine, le frère n'est pas encore venu, mais je ne sais pas s'il est prêt de connexion. Quelqu'un m'appelle déjà, je ne sais pas de quoi il s'agit. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, frère. Oui, dites-moi, je suis un chrétien. Oui. Je viens de voir ce que vous avez publié, vraiment, ce n'est pas... C'est pas digne de ce nom, en fait. Donc, je suis désolé que certaines personnes agissent comme ça. Oui. Voilà. Donc, on dit la religion, c'est l'amour du prochain. C'est donc, clair. Quelles que soient les différences, il faut essayer de s'accorder. Oui. De toute façon, il n'y a pas... Moi, je le dis toujours, il n'y a pas quelqu'un qui est mort, qui est parti. Parmi nous qui vivons actuellement, il n'y a pas quelqu'un qui est mort, qui est parti là-bas pour voir ce qui se passe là-bas. On a tous été... On a tous suivi des récits qui sont venus depuis le passé. Mm-hmm. Et on a été ancrés dedans soi par des parents qui ont été déjà... la plupart des musulmans sont musulmans par naissance, chrétiens par naissance. Et après, c'est un truc de foi personnelle. Donc, on n'a pas besoin de se comporter ainsi, tu vois. Mm-hmm. Voilà, ça, c'était ma première obligation. Maintenant, chaque fois que j'essaie de vous joindre, mm-hmm. en fait, j'ai une bonne question à vous poser, en fait. Je ne sais pas si ça serait maintenant l'idéal, parce qu'on est dans un débat en direct. L'interlocuteur ouais. qui fait le débat n'est pas en ligne en ce moment. Je ne le vois oui. pas à la barre de tâche. Mais vous pouvez poser ouais. la question comme Nourdine est là. Peut-être qu'il pourra répondre, puisque okay, c'est lui qui a du côté musulman et l'autre, c'est le côté chrétien. Donc, posez votre question, étant donné que vous êtes chrétien. Ouais. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. D'abord, ma première question, c'est vous croyez. Je suis toujours souvent votre débat où vous dites. Vous croyez en la Bible? Vous croyez en la Bible? Nourdine, il pose la question. Ok. Tu demandes si je... Oui, je vais te répondre. Tu demandes si je crois en la Bible. Moi, je vais te retourner une question ouais. pour répondre à ta question. Écoute, je viens. Si tu me demandes si je crois en la Bible, je vais te demander quelle des Bibles. Parce que nous avons plusieurs. J'ai plusieurs Bibles ici. J'ai Bible Second, ce sont 6 livres. J'ai Bible ici, là. Qui est Bible catholique, qui est, ce sont 16 livres. Il y a même une des témoins de Jéhovah qui est 5 livres. 5 livres. Tu me demandes de croire okay. à quelle Bible. Ok, bon. Ok, bon. On ne va pas faire long, hein. D'accord. Bon, on va dire par exemple, on croit à c'est-à-dire les parents authentiques de Dieu qui sont dans la Bible, on ne croit pas à toute la Bible. Voilà. D'accord. Allô? Allô, frère, vous êtes là? Ok. Bon, d'accord, c'est bon. Le frère interlocuteur n'est pas là, mais Nourdine, on va te laisser quand même 10 minutes, ou bien, je ne sais pas, comment tu veux qu'on procède? Ah, vraiment, s'il est là, ce serait bon, parce que le frère a il vraiment... Il n'est pas là, je ne le vois pas en ligne. Ok. Voilà, il n'est pas là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ah, il est là. Ah, toi, tu es là, mais l'autre n'est pas là. Maintenant, on dit,
Les musulmans ne croient pas à la totalité de la Bible, La mais on Bible. croit aux paroles authentiques de Dieu qui est dans la Bible. Parce que la Bible ne contient pas toute la parole de Dieu, mais disons, la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu, mais elle contient des paroles de Dieu. Donc voici notre position musulmane. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, si vous ne croyez pas à la totalité de la Bible, mais le fait primordial, en fait, le fait primordial que je veux souligner dans la Bible, que je veux savoir si vous croyez ou pas, est-ce que vous croyez en la naissance de Jésus, le parcours de Jésus, est-ce que vous croyez en ça, en fait? C'est-à-dire le récit de Jésus qui est né, l'aîné le plus puissant, Bien sûr, péché. Nous croyons à la naissance miraculeuse de Jésus. Nous croyons que Jésus-Christ est né sans père. Nous croyons qu'il a fait beaucoup de miracles. Nous croyons qu'il est véritable prophète. Il a fait beaucoup de miracles. Oui. C'est coranique. Voilà. Il y a des gens qui essaient de me joindre. C'est pas, ne m'appelez pas, s'il vous plaît, les gars. Voilà, le numéro que j'ai donné, c'est ce numéro-là qu'il faut appeler au Cameroun. Voilà, pour que vous puissiez participer à l'émission. Le frère n'est pas encore dans mon écran de contrôle ici. L'autre n'est pas là. Oui, le frère, il a répondu à la question. Je disais... Oh, ah, vraiment, le frère, il a fait beaucoup de choses. Ouais, je suis là, il a le temps. Voilà, on essaie de m'appeler, c'est ce qui perturbe un peu la prochaine. Non, allons-y directement, alors. Voilà, donc je disais, est-ce que vous croyez à la naissance de Jésus-Christ qui est né sans rapport sexuel, qui est mort sur la croix et qui est ressuscité le troisième jour? Est-ce que vous croyez en ça? Non, mais... Jésus-Christ lui-même, là, il n'a pas dit qu'il est venu mourir pour aller pardonner les péchés des gens sur la croix. Non, ma question est simple. Est-ce que vous croyez en la naissance miraculeuse? Non, nous sommes musulmans. Notre foi n'est pas basée sur ça. Nous ne croyons pas en ça. Ah, vous ne croyez pas en ça, mais vous prenez souvent des passages dans la Bible pour dire ouais, que dans la Bible, Mahomet a été annoncé. C'est ça, non? Mahomet n'a pas été annoncé. Sinon, Mohammed a été annoncé. Et puis, frère, regarde. Quand on dit Jésus-Christ... Mohamed. Oui. Vous croyez en fait dans la Bible, vous croyez que Mohamed a été annoncé, mais vous ne croyez pas en le reste de la Bible, c'est ça? Par Moïse et par Jésus-Christ lui-même. En fait, c'est pourquoi Oussa t'a dit tantôt que nous croyons aux paroles authentiques de Dieu qui sont dans la Bible et non en totalité de la Bible. Parce que dans la Bible, il y a parole des hommes, il y a parole des pharisiens, il y a parole de Dieu, il y a parole de tout le monde dedans. Non, c'est ce que Dieu là. Non, moi, il ne parle pas de tout ça là. Ma question est simple. C'est pour vous croyez en fait, Jésus a dit, attendez, vous dites que Jésus a annoncé Mahomet. Donc ça, vous croyez, mais vous ne croyez pas que Jésus est né miraculeux, du moins qu'il est mort, il est ressuscité. Vous croyez On pas croit. À ça. On croit. Vous croyez, ok, c'était ma question qui est là-bas. Si vous croyez au fait que Jésus soit venu, soit né miraculeusement, ait vécu et soit mort sur la croix, il est ressuscité le troisième jour. Tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Nous croyons à la naissance miraculeuse de Jésus. Nous croyons que Jésus est le Messie que Dieu a envoyé aux enfants d'Israël. Oui. Maintenant, en ce qui concerne venir mourir pour nos péchés, là, nous ne croyons pas en ça. Non, je ne parle même pas de mourir pour les péchés de quelqu'un. Je demande d'abord si vous croyez qu'il est mort. Non, il n'est pas mort ni ressuscité. Il n'est ni mort ni ressuscité. Là, il est né miraculeusement. Oui, ça, on croit ça, oui. Ah, ok. Non, en fait, c'est ma question qui allait relancer le débat, en fait. Mais comme vous ne croyez pas, je pense que ce n'est pas à peine de continuer. Mais moi, je te pose une question. Ah, le gars est là. Ah, ok. On va poser la question. Non, nous, on va continuer ici parce que là-bas, c'était truc. Voilà, on attendait que le frère qui doit continuer. Mais tu as eu quel problème, mon frère Aubin, François Aubin? Il y a eu un problème de connexion. Il y a eu un problème de connexion générale ici. Non, frère, cher ami, c'est toi qui es antenne. Merci pour ta participation. Merci pour ton témoignage au frère qui est malade. Donc, je pense qu'on peut se rappeler plus tard pour échanger avec toi. Il n'y a aucun problème. Ok, parce que vraiment, je vais vous montrer quelque chose. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, comme c'était une émission prévue pour un débat et l'interlocuteur est là, j'ai juste passé l'information du frère qui est malade au Cameroun. Et comme vous-même, vous n'êtes pas d'accord avec ça, nous disons que non. Nous aussi, on n'est pas d'accord. Il est devenu musulman, on n'est pas d'accord. Certains disent non. Quand on devient musulman, on devient chrétien, on chasse les personnes. Mais regardez aussi, le frère est devenu musulman. La famille l'a abandonné complètement et la seule condition qu'ils vont s'occuper de lui, c'est qu'il redevient chrétien ou bien quitte la maison et rien pour lui. Et il n'a qu'à se débrouiller. Donc, les frères musulmans l'ont récupéré. Ils sont au Cameroun. C'est en cela que Aziz Khan m'a envoyé une note vocale.
que j'ai fait passer tout à l'heure pour ceux qui sont en ligne. Voilà, ceux qui sont en ligne, Aziz Khan a envoyé une note vocale pour que nous puissions la diffuser au nom de la communauté musulmane. Et le numéro du frère que vous devez appeler pour pouvoir participer, pour aider le frère musulman qui est malade. Ça peut être moi, ça peut être Nourdine, ça peut être le frère François Oba. C'est pas, voilà, donc vraiment, ceux qui peuvent participer, qu'ils le fassent. Il est au Cameroun, vous pouvez les contacter, ceux qui sont près de lui. Plus 237 78 18 59 25. Plus 237 78 18 59 25. Nous allons revenir sur cette information. Le malade en question, voici sa photo qui passe à l'écran. Vous voyez comment il est couché à même le sol. Le voilà qui est là. Il est converti à l'islam. Regardez son état dans lequel il est. Vraiment, c'est difficile. Et voilà, la communauté musulmane est en train de se mettre ensemble pour que nous puissions vraiment essayer de le soutenir. Barakallahu fikoum à tous ceux qui partagent le numéro. Merci beaucoup à tous. On va revenir sur l'information. Également, l'information qui est de taille pour dire aussi que vraiment ce frère-là, il est vraiment malade. La maladie, la santé avant tout. Donc, c'est la priorité. C'est vrai qu'on a nos voyages, nos déplacements, hein, l'information passe, mais la priorité, c'est le frère qui est malade en ce moment même. Donc, s'il vous plaît, ceux qui peuvent vraiment le soutenir, voilà, on vous a donné le numéro. Mon frère Obama, vous êtes revenu. Nourdine, vous avez 10 minutes, top chrono, pour que nous puissions reprendre les choses. Et puis on va partir. Tu as 10 minutes, je vais fermer les autres micros. C'est eux maintenant qui dérangent plus que leur machin. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Le frère François Obama, en fait, tu as donné beaucoup de passages. Tu as donné beaucoup de passages, mais moi, je pense qu'il y a une chose qui te manque dans les passages que tu as donnés. C'est la chose que David a demandé à Dieu. Dans Psaume 119, le verset 34, où il dit, « Dieu, donne-moi l'intelligence et la sagesse pour comprendre tes écritures. » Tu comprends? Donc, quand tu donnes des passages là, il faut savoir à qui tu donnes là. Tu ne sais pas à qui tu as fait, on dirait. En fait, tu as donné le passage de Jean 20, verset 28. Et puis, où il a touché Jésus-Christ, il a dit, « Mon Seigneur ou mon Dieu. » Je vais prendre chaque passage que tu as donné et puis je vais te corriger en fait, de façon spirituelle et de façon verbale. Je vais te corriger, te donner l'enseignement qu'il faut. Parce que sincèrement, tu ne connais pas ta Bible. Et je vais te donner l'enseignement, Inch'Allah. Tu dis Jean 20, verset 28, il lui dit, Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Ce qui veut dire Jésus-Christ, il est Dieu. Ce que tu oublies, c'est que tu as sauté un passage de la Bible. Il fallait commencer en haut et puis tu descends, tu allais comprendre pourquoi il a dit mon Seigneur et mon Dieu. On va faire la lecture, toi et moi, Inch'Allah. Prends, il faut prendre note. Jean 20, moi je prends le verset 17. Tu vas comprendre quelque chose. Le verset 16 à 17. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, il faut écouter très bien, frère, prends note. Frère, tu es concentré? Tu m'écoutes? Ah, ok, il m'attend, ok. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Jésus dit de ne pas le toucher parce qu'il n'est pas encore monté vers son Père, mais va trouver ses frères. Il dit, mais va trouver mes frères et leur dit, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu, sachant très bien que Jésus-Christ, il a un Dieu. Jésus-Christ dit vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Le Père qui est mentionné ici, et puis le Dieu qui est mentionné ici, sur lequel Jésus-Christ, il va monter pour aller là, c'est quel Père? C'est la question qu'il te pose. Le Dieu qui Jésus-Christ demande à monter vers lui là, c'est quel Dieu? Et quel est son nom? Tu as pris beaucoup de passages de la Bible. Jésus-Christ, ils l'ont adoré. Tu as donné des passages où on dit on a adoré Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais demandé de l'adorer. Et ils n'ont jamais adoré Jésus-Christ. Le passage que tu as pris de Luc 30, Luc 24, le verset 52, ils n'ont pas adoré. On dit qu'ils l'ont rendu hommage. Il faut prendre ta Bible, tu as bien regardé. On dit qu'ils l'ont rendu hommage. Et puis si on l'a adoré, c'est où il a demandé de l'adorer. Et quand ils ont fini de l'adorer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis, ils ont continué à adorer l'éternel Dieu. Ils n'ont pas adoré. Pendant qu'ils ont adoré Dieu, dans Luc 6, le verset 12, on nous dit, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne, Jésus-Christ s'est rendu sur la montagne pour prier et il a passé toute la nuit à prier Dieu.
Jésus-Christ a prié Dieu. Le Dieu que Jésus-Christ prie là, c'est qui? Il s'appelle comment? Ça fait deux questions. Si Jésus-Christ, il est réellement Dieu, il va nous dire. Il va nous dire qu'il est Dieu. Pourquoi à chaque fois, c'est affaire de Jésus et Dieu? Oh, il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Tu prends Apocalypse 1, le verset 8. Il dit, je suis le premier et le dernier. Et regarde très bien ce que tu dis. Hein. Je suis et Dieu. Ouais, vraiment. D'abord, Apocalypse 1, le verset 1er. On dit la révélation de Jésus-Christ. De Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné, le Dieu qui a donné à Jésus-Christ, ça c'est qui? C'est la question que je te pose. Tu vois que Jésus-Christ, toujours, ce qu'il indique, il indique toujours qu'il a un Dieu. Et puis le verset 8 que tu as pris, le verset 18 plutôt que tu as pris, où il dit, je suis le premier et le dernier. Mais tu as dépassé un passage où il dit, dis l'Éternel. Dis l'Éternel, c'est Dieu qui dit qu'il est le premier et non lui qui dit qu'il est le premier. C'est Dieu qui dit qu'il est le premier parce que Jésus-Christ, il est la bouche de Dieu quand tu parles. Tu comprends? Jean 5, 30, il dit, je n'ai plus rien fait de moi-même. Selon ce que j'attends, je juge, mon jugement est juste car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà Jésus-Christ de Nazareth. Et puis, toi et moi, nous ne sommes pas plus éloquents pour dire Jésus-Christ, il est Dieu à sa place. Dieu, là, on ne le démontre pas. Dieu se présente. Dieu s'est plusieurs fois montré. Il ne se démontre pas. Parce que tu démontres, Dieu sait qu'il ne s'est pas présenté, frère. Tu comprends? Dans la Bible, le mot « je suis Dieu » est effectivement, c'est dans la Bible. Mais ce n'est pas Jésus qui dit que je suis Dieu. Mais c'est dans Ésaïe, Dieu parle à Ésaïe en disant, dans Ésaïe 42, le verset 8, il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et puis tu dis, Jésus-Christ, il est éternel. Tu es méchant, hein? C'est pas bien. Jésus-Christ, il est éternel. Or, selon toi, Jésus-Christ, il est mort 3 jours et 3 nuits. Est-ce que Dieu m'aime? Dieu ne m'aime pas. Dieu a dit dans Habacuc 1, 12, je suis saint, je suis Dieu et je ne meurs point. Donc, qui est mort 3 jours et 3 nuits? Selon toi, c'est Jésus-Christ. Si tu me dis que ce n'est pas Jésus-Christ, c'est l'Esprit qui est mort. Sachez que si l'Esprit est en Jésus-Christ, Jésus-Christ, en train de dans le même passage, il dit, je remets mon esprit entre tes mains, Dieu. Si l'Esprit qui est en Dieu, là, en Jésus-Christ, c'est Dieu, c'est quel esprit Jésus-Christ est en train de remettre aux mains des pères? Il est parti. Il est parti encore. Il est parti. Bon, c'est ça les aléas du direct, mais continue quand même. Continue, donne ton enseignement. Ok. Si Jésus-Christ, il est éternel, Jésus-Christ n'allait pas mourir. Si Jésus-Christ, il est éternel, il n'allait pas naître. Si Jésus-Christ, il est éternel, il n'allait pas manger. Si Jésus-Christ, il est éternel, il n'allait pas avoir sommeil. Si Jésus-Christ, il est éternel, il n'allait pas dormir. Dieu, il dit dans Jérémie 13, Jérémie 23, le verset 23, il dit, lui, il voit tous et il voit tout. Tout ce qui doit arriver, il voit. Et même si tu es caché quelque part, Dieu te voit. Alors que Jésus-Christ, vous savez très bien, vous savez très bien que Jésus-Christ a dit dans Marc 13, le verset 32. Quand on l'a demandé, c'est quand le jour de jugement? C'est quand le jour dernier? Il a dit, le jour dernier là, ni les anges dans les cieux, ni le Fils qui est Jésus-Christ ne le sait, mais le Père seul sait. Le Père seul sait là, c'est lequel Père il parle? Il va venir me dire que le Père qui parle là, c'est le Dieu qui l'a envoyé. Ou bien c'est son Père. C'est le Dieu éternel. Le Dieu éternel, c'est que ce n'est pas Jésus-Christ. Le débat de Jésus-Christ, Jésus-Christ est Dieu, on peut clore ça en une minute. Parce que le seul passage qui peut clore ce débat là, c'est le passage que le Père donne tous les jours dans Luc 1, le verset 26. On dit au sixième mois, l'ange de l'Éternel est venu dans une ville appelée Galilée. Je vais lire le passage, on va comprendre, Inch'Allah. Luc, tu t'adresses aux internautes en même temps, ceux qui sont chrétiens ou musulmans. Voilà, Luc 1, le verset 26. On dit au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange qui a été envoyé par Dieu pour venir annoncer la naissance de Jésus, le Dieu qui a envoyé l'ange là, c'est quel Dieu? Nous savons tous que c'est l'Éternel, alors que Jésus-Christ n'était pas né. Mais il est venu annoncer quand même la naissance de Jésus-Christ. Est-ce que Dieu peut naître? Voilà, Dieu ne peut pas naître. Dieu ne peut pas naître parce qu'il a dit dans
Nombre 23, le verset 19, Dieu n'est point un homme. Dieu n'est pas l'homme, ni fils d'un homme. Alors que Jésus-Christ est le fils de Marie. Nous avons tous, dans le Coran, Dieu a cité beaucoup de fois Jésus, fils de Marie. Jésus, fils de Marie. Jésus, fils de Marie. S'il revenait, j'allais l'enseigner sur Kalmatou, Kalmatou Lahil Oulia. Et on dit le Kalmatou d'Allah. Il va comprendre c'est quoi Kalmatou d'Allah. Il pense qu'il est la parole. Il va comprendre, Inch'Allah. Jésus-Christ, en aucun cas, Jésus-Christ ne peut être Dieu. Et il ne sera jamais Dieu. Parce que lui-même, il a dit dans Jean 8, verset 40, il dit, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme. Bon, s'il est homme, c'est qu'il est devenu Dieu. Or, on ne devient pas Dieu. Dieu, il est. D'après lui-même qu'il a donné à Moïse, il dit, va dire aux enfants d'Israël, c'est lui qui suis, m'a envoyé vers vous. Dieu, il est toujours là. C'est le présent, le temporo-spatial. Dieu ne change pas. Il a dit aussi dans Malachie 3, 6, il dit, il ne change pas. Il est là. Donc, on va beau faire. Parce que, il dit, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Et puis, le frère, il a donné quel passage encore? Il a donné le passage de Jean 12, verset 34. Jean 12, verset 34. Que je vais lire, Jean 12, 34. La foule lui répondit, nous avons appris par la foule, par la loi, que le Christ demeure éternellement. Comment dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est le Fils? Qui est le Fils de l'homme? Ah, on demande, nous avons appris que par la loi, que le Christ demeure en nous éternellement. C'est pourquoi ils ne connaissent pas le sens du mot Christ. Il dit Christ est le Dieu éternel. Or, le mot Christ, c'est un titre que Dieu même donne aux gens. Aux gens qui comment on appelle, qui confient une mission pour venir enlever les gens dans les ténèbres à la lumière. Tel qu'il est venu, comme tel qu'il a envoyé, comme on appelle, Cyrus. Dans Ésaïe 45, le verset 1er, Dieu parle, on dit, l'éternel parle à Cyrus, à son oint. L'Éternel, il est ouin. Jésus-Christ, il est ouin également dans Ésaïe, comme on appelle Ésaïe 61, le verset 1er. L'Éternel, il a dit à Jésus-Christ, il est ouin. Cyrus, il est ouin. Jésus-Christ, il est ouin. Donc, en aucun cas, Christ peut être Dieu. Bah, il est de retour. Propre, allons avec ça. Bon, je pense que il nous reste, on va prendre peut-être 10 minutes pour terminer. Parce que la connexion fait défaut de part et d'autre. Frère, Obama, vous êtes de retour. Vous allez faire l'échange direct. On appelle ça le dialogue direct. Le dialogue direct, c'est entre vous deux. Voilà, on appelle ça dans notre jargon le petit poteau. Tu vas lui poser des questions. Il va te coller des questions et vice-versa. Mais on va s'écouter. Quand quelqu'un, l'un de vous pose sa question, l'autre est obligé de répondre. Ainsi de suite. Donc, je vais essayer. Je vous suis en dehors, mais je vais me déconnecter. Je serai, c'est-à-dire, vous n'allez pas me voir à l'écran, mais je vous suis. Regarde comment ça fonctionne. 1, 2, 3. OK. Le frère Obama, on dit dans Luc 6, le verset 12, Jésus-Christ dit, je vais lire le passage, tu vas comprendre. Prends Luc 6, le verset 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le Dieu que Jésus-Christ a passé toute la nuit à prier là, c'est qui? C'est ma question qui est là. Très bonne question. Sache déjà que, comme tu as dit tout à l'heure, que je ne sais pas à qui j'ai affaire, sache aussi que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Car j'ai débattu avec des milliers de musulmans. Et ce qui est intéressant, c'est ce. C'est pas que, dans le mauvais sens, c'est dans le bon sens, j'ai dit ça. Non, ne me coupe pas. OK? Ne me coupe pas. Ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si vous êtes né de la même mère, c'est-à-dire que vous posez la même question. Et ce qui me plaît aussi, c'est que j'apporte les réponses qui sont dans la Bible. Qui est l'identité de celui à qui Jésus-Christ prie? C'est Jéhovah son Père. Attends, ne me coupe pas. C'est Jéhovah son Père. C'est le dialogue direct. Vous pouvez vous poser la question. C'est Jéhovah son Père. Donc c'est Jéhovah Jésus-Christ priait. Oui. Hein? Donc c'est pas, oui. c'est pas. Donc Jésus-Christ n'est pas Jéhovah. Jésus-Christ est Jéhovah parce que son nom signifie Jéhovah sauve. Et il s'adresse à son père en qualité. Attends. Non. Donne-moi donc.
Vas-y. Permets-moi donc de répondre à ta question. C'est Jéhovah sauve en tant que fils qui s'adresse au Père. Pourquoi? Parce que le fils s'est fait homme. Il s'adresse donc à son Père. Voilà pourquoi il prie son Père. C'est en qualité de fils qui s'adresse à son Père. Et du moment que le fils est de la même nature que son Père, voilà pourquoi le fils peut s'adresser à son Père, peut prier son Père, tout en étant de la même nature que son Père. La même nature divine. Jésus est de la même nature divine que son Père, Jéhovah. Tout comme toi, tu demandais des choses à ton papa. Tu es déjà grand aujourd'hui. Lorsque tu demandais des choses à ton papa, tu demeurais un homme au même titre que ton Père. Tu as fini de poser ta question. Est-ce que moi, je peux poser ma question? Ou alors, attends. 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 Je demande au grand frère Oustaz Djané si c'est lui qui doit poser uniquement les questions ou alors c'est moi qui dois, ou alors je dois aussi poser les questions. Alors, oui. On est dans la période, comme la connexion fait défaut, toujours c'est parti. On est dans la période de, oui. On appelle ça le dialogue direct, le petit poteau. Pardon, vous me posez des questions. Si l'autre est en train de mentir, l'autre peut l'arrêter pour qu'on voit clair dans cette histoire-là. Voilà. Allez, voilà. Donc, le fils, Jéhovah, le fils qui est Dieu, là, il est en train de prier le Père qui est Dieu aussi, n'est-ce pas? C'est ce que je veux comprendre. D'accord. Oui. Donc, tout ce que le Père connaît, le fils Dieu aussi connaît, n'est-ce pas? Tout ce que le Père connaît, le fils connaît également. Jean 16, verset 30. Donc, tu apprends la Bible, prends Marc 13, verset 32, on va lire ensemble. Tu te mets d'abord d'accord, tu acceptes d'abord ce que dit Jean 16, verset 30. Je vais lire Jean 16, verset 30 ici. Ouais, laisse-le. Il va lire Jean 16, 30 et puis on va lire Marc 13, 32 aussi. Allons-y. D'accord. Jean 16, verset 30. Je lis à partir du verset 29. Ses disciples lui dirent, « Voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Tu peux maintenant lire le passage de Marc que tu disais. C'est clair. Il est dit dans Jean 16, 30 que oui, on sait maintenant que Jésus sait toutes choses. Le verset est clair. Oui. Donc, voilà. On sait qu'il sait toutes choses et qu'il est sorti de Dieu. Donc maintenant, on va lire Marc 13, verset 32 rapidement. Allons-y. Je peux lire? Oui, lis. Ok. Ils ont demandé à Jésus-Christ, parce que toi, tu viens de dire que ce que le Père connaît, le Père qui est Dieu, ce qu'il connaît, le Fils, Dieu aussi connaît. Donc, je vais voir, est-ce que ce que le Fils connaît, est-ce que le Père aussi connaît? Est-ce que ce que le Père connaît, est-ce que le Fils aussi, il connaît? On va lire pour voir. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Moi, je veux savoir. Ici, là, le Fils qui est Dieu, là, il sait très bien que l'heure, il connaît le jour de l'heure, c'est-à-dire il connaît la fin du monde, il connaît, il ne veut pas dire, ou bien il ne connaît pas. Il n'est pas Dieu. Ça, c'est une question? Oui, c'est ma question. Voilà. Tu as vu là. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Qu'est-ce qui te fait croire que Jésus parle de lui ici? Il n'a pas dit que je ne sais pas le jour de la fin. La preuve en est que dans le livre de l'Apocalypse, c'est lui qui délivre le message de l'Apocalypse à Jean. Il parle de Fils. Ici, là, c'est pas Jésus qui est le Fils ici. Jésus, n'est-ce pas? J'aimerais que tu me comprennes très bien, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est lui qui est le Fils ici? Attends d'abord. Il faudrait déjà que tu comprennes ce qu'on appelle ici Père, ce qu'on appelle ici Fils. Il s'agit des attributs. Il s'agit des attributs. Parce que lorsque tu lis Ésaïe 9, verset 5, tu te rends compte que l'enfant qui est né est également appelé Père éternel. C'est-à-dire que toi, qui es Père de ton Fils aujourd'hui, tu envoies ton enfant sans qu'il ne se rende compte, tu parles l'esprit pour la première fois. Lorsqu'il est à la maternelle, il n'est pas au courant. Ce qui ne lui enlève pas le fait qu'il est un homme comme toi. Donc, quand il dit, maintenant, donc, quand il dit,
Non, attends ça, attends. Donc quand il dit ni le fils, ni les anges, mais le Père seul, est-ce que mais c'est le Dieu Père seulement seul qui le connaît? sait. Donc lui, il ne connaît pas. Il faudrait donc que tu comprennes que le Père, que Dieu a des attributs de Père comme de Fils. Il Est-ce a que le des fils attributs connaît? de Père, le Fils. Est-ce que le Le fils Fils connaît? dont on C'est tout parle, ce qui est le tellement. Fils dont on parle ici, le Fils dont on parle ici Oui. ne connaît pas. Mais Ah, Jésus est donc. également appelé Père. Attends! Donc. Attends! Attends, Jésus est ok. également appelé Père éternel. Voilà pourquoi en Apocalypse 21, verset 7, Jésus dit, celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Comment est-ce que Jésus, que tu considères comme fils, appelle un autre fils? Parce que Dieu a des attributs de père tout comme de fils. J'espère que tu me comprends. Sache Donc que j'ai Jésus même l'habitude, attitude de attends, fils. j'ai l'habitude de répondre Il y a à quand même ces donc questions. pourquoi Jésus appelle, Jésus, oui, tu me demandes qui est-ce que Jésus appelle fils, n'est-ce pas? Je te j'ai réponds pas dit donc. ça. T'as vu, Jésus j'ai en train appelle, de parler, tu m'écoutes même pas. Pourquoi t'as oh, attends. dit que comme toi, Jésus pour te appelle calmer, fils. pardon, Jésus écoute-moi. appelle Comment tu fils. m'écoutes, tu vas comprendre. Je Dis, je t'écoute l'écoute encore. très Il prend bien. la peine. Mon frère Oba, prends la peine de l'écouter. Il va poser la question qu'il veut poser. En fait, tu n'écoutes pas ta cause, sinon tu allais me poser des questions depuis là. Tu ne m'écoutes pas. Écoute, le fils ne connaît pas la fin du monde, mais c'est le père qui connaît. Ce qui veut dire, le fils ne connaît pas. Le fils qui est Dieu là, lui, il ne connaît pas. Mais c'est le père qui est Dieu qui connaît. Ça fait deux. Tu OK. es Si d'accord, tu es, attends, tu attends. Tu es d'accord que Jésus appelle quiconque le suit fils? Apocalypse 21, verset 7. Qui parle en Apocalypse 21, verset 7? Réponds-moi. Moi, voilà, je te réponds maintenant avec la Bible. En fait, Jésus-Christ ici, il est en train d'établir. Quand il dit qu'il est le Fils ici, c'est dans le sens où Jésus-Christ, il est serviteur de Dieu qui est indiqué dans Jean 10, le verset 36, où il dit, pourquoi vous me lapidez, vous? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu, parce qu'il a fait voir aux principaux sacrificateurs les bonnes œuvres que lui fait venant de Dieu. C'est pourquoi il dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père pour laquelle vous me lapidez, vous, ou bien parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu, c'est-à-dire je suis le serviteur de Dieu. Réponds C'est à dans ma ce question sens-là sur, qu'il dit réponds que à lui, ma le question Père, sur est ni Apocalypse les anges, 21, verset ni le 7. Fils, mais c'est Tu ne le Père réponds pas à seulement ma qui connaît la question. fin du monde. Tu Tu ne comprends? réponds pas, tu ne réponds pas à ma question. En Ni le Apocalypse Fils, ni celui qui 21, est le Fils de combat. attends, je te réponse ma question. Tu n'as cité à aucun moment Apocalypse 21, verset 7. Est-ce que tu es d'accord que Jésus dit, celui qui vaincra héritera du paradis? Merci. Oh là, il est parti. Bon, je pense que je vais passer quelques informations et puis on va se dire au revoir. Voilà, parce que voilà, il est revenu, il est de retour dans la barre. Voilà, il est retour Je te là-bas, je posais ma l'affiche. question. Non, J'étais en en train fait. de me poser, j'étais en train de te poser ma question. Est-ce que tu es d'accord que Jésus dit, celui qui vaincra héritera du paradis, il sera son fils et lui, Jésus, sera son père. Tu es d'accord? Non, je ne vais pas te répondre. Tu ne vas pas me poser la réponse. Non, Calme-toi. non. Je ne Tu, vais pas te dire, je vais attends, calme-toi. Calme-toi, je calme-toi. te réponds. C'est à Je vais te toi répondre. de te calmer. J'ai répondu à ta question, non? Réponds aussi à ma question. Est-ce que tu es d'accord que Jésus-Christ dit que celui qui vaincra héritera du paradis, il sera son fils et lui, Jésus, sera son père. Tu es Je peux maintenant d'accord? répondre. Oui ou non? Je peux répondre. Je peux répondre avec la Réponds-moi Bible. par oui. Réponds-moi. Non, nous n'avons pas de temps à perdre. C'est petit Moi, je n'ai pas poteau, de donc on limite, va non. droit au but. Toi, tu vas me poser une Réponds-moi. réponse, non? Non. Tu vas me dire de dire oui ou non? Dis-moi Voilà. face à ton visage, Voilà. frère. Dis-moi face à Que ton visage. les Tu vas me dire oui auditeurs ou non? Calme-toi, va te calmer. soient témoins. Que les Il faut auditeurs te soient calmer. témoins que Comment tu ne veux pas t'agiter? me En fait, répondre. Réponds-moi. c'est rentré tellement. Tu Oh, sais que le fils qui ne mon connaît pas la frère, fin du monde, là, tu sais sois que c'est Jésus, calme, et que sois celui qui calme, connaît la fin du sois monde, c'est calme, Dieu, donc sois ça fait qu'il y a le calme, fils et il y a le sois Dieu. Il y a calme différence. comme ton maître, Jésus-Christ n'est pas Oustaz Dieu. Diané. S'il Je était n'ai Dieu, il jamais allait vu, savoir c'est je quand n'ai que vous jamais allez me vu regarder Oustaz calmement et Diané. posez-vous des questions. Voilà! Posez-vous des questions. Voilà! En fait, Grand frère, s'il te pose une grand frère question, Oustaz Diané. Non, attends, s'il pose une question, tu réponds à la question tout Il me simplement. pose la Lorsque question. tu lui poses une question, il est Voilà, obligé de je répondre lui à ai la question. répondu une question et je m'attends à ce qu'il réponde par oui ou par non. Quelle est ta Grand frère question? Oustaz Diané, attends. Grand frère Quelle est ta Oustaz question? Diané, moi je le connais depuis un an. C'est quelqu'un qui ne perd jamais son sang-froid. Et j'aimerais que tu sois comme lui. Non, t'inquiète OK? pas, il m'a promis ça, t'inquiète. Voilà! Je ne sais pas pourquoi tu t'agis, tu commences à Il lancer s'en des va, il attaques. s'en va vite pour la question. Je n'ai Il jamais va vite vu pour ta question, là, Oustaz Diané faire ça.
Donc, j'aimerais que tu te calmes. Tu me répondes par oui ou par non. Apocalypse 21, verset 7. Jésus dit ceci, celui qui vaincra héritera de ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Tu es d'accord que Jésus appelle quiconque hérite du paradis son fils et se présenta ainsi comme père? Tu es d'accord avec ça? Réponds-moi par oui ou par non. D'accord. Donc, je ne peux pas te répondre par oui ou par non parce que je ne suis pas ton fidèle. Moi, je vais te répondre avec la Bible. C'est ma réponse qui est là. Tu ne réponds pas. Il n'y a pas de Bible qui soit. Frère Oustaz Diané, si retiens qu'il refuse. Non. Grand frère Oustaz Diané, retiens qu'il refuse de répondre à ma question. Obama, tu auras l'occasion de répondre par oui ou par non à ma question avec la Bible. Il ne répond pas. Du moment qu'il ne répond pas à ma question, ça ne peut pas marcher. Qu'il répond à ma question par oui ou par non. Parce que votre Coran dit en sourate, attendez, votre Coran dit en sourate 19, verset 34, que Issa est parole de vérité. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit, vous êtes obligé de croire. Tout croyant de bonne foi est obligé de croire. Donc, lorsqu'il dit, quiconque vaincra héritera de ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais j'attends qu'il reconnaisse par lui, j'attends qu'il reconnaisse par lui ou par non, si, Jésus se présente comme étant père. Attends, il va répondre. On va aller doucement. Attends, il va répondre. Hein? C'est comme ça. Allons-y, nous répond. Ok, merci beaucoup. Celui qui vaincra et héritera de ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Je vais te répondre avec la Bible, frère. Il ne faut pas t'agiter. On est en train d'échanger de façon amicale. Tu vois? Donc, tu vois, il faut m'écouter. Voilà, je vais te répondre avec ta Bible. Je ne peux pas te dire oui ou non. Non, je ne suis pas ton fidèle. Il faut m'écouter attentivement. Tu as peur de répondre à ton fidèle à l'église où tu as parlé, puis il va dire Amen, Amen. Quand tu m'as posé une question, je n'ai pas pleuré en disant que j'étais ton fidèle. OK? Je n'ai pas pleuré en disant que j'étais ton fidèle. Donc, je ne sais pas pourquoi tu as peur. Voilà la première question que je te pose. Tu ne peux pas me répondre. Tu as dit que tu voulais répondre avec la Bible, mais tu commences à dire comment je ne suis pas ton fidèle, ainsi de suite. Non, mon frère, quand on organisait l'émission, toi aussi, tu n'étais pas agité comme ça, François. Je ne suis pas agité. Grand frère, Oustaz Diané, je te prends comme témoin, je ne te connais pas comme étant partial. OK? Tu n'es pas partial. Je suis en train de faire la modération. Il dit simplement, laisse-le parler, il va répondre et puis on va avancer. Demande-lui donc de répondre à la question sans dire qu'il est mon fidèle ou alors que je suis son pasteur. Je n'ai pas besoin de ça. Qu'il réponde à la question directement. Qu'il réponde à la question. Il a dit qu'il voulait répondre sur la base de la Bible, mais il commence à parler. Bon, j'ai coupé ton micro. J'ai coupé ton micro. Simplement, je veux que tu te calmes d'abord. Faut te calmer. Si tu te calmes, je vais ouvrir ton micro, mais calme-toi. Voilà, j'ai ouvert le micro. Calme-toi. Tout ce qu'on demande, calme-toi. Je suis très calme. Qu'il réponde à la question. C'est pas crier qui fait de l'argument, c'est les arguments. Tu as posé ta question, il va répondre. Quand il va te poser la question, on verra aussi, tu vas répondre avec la Bible, c'est tout ce qu'il demande. Tu as posé ta question, laisse-le répondre. Si quelqu'un veut répondre là, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord. Parce que s'il répond oui, il va expliquer. S'il dit non, il va aussi expliquer. Quelle que soit la réponse qu'il va dire, oui ou non. Mais le problème, c'est qu'il a dit qu'il ne va pas répondre par oui ou par non. Qu'il réponde, donc réponds, frère. Est-ce que tu peux te calmer au moins? Je répète encore. Quand on organisait l'émission, tu étais calme. Pourquoi tu as agité un coup comme ça? Grand frère Oustaz Diané, je ne te permets pas de me qualifier. Qu'il réponde à ma question. Vas-y. OK. Tous ceux qui vont observer ce que Jésus-Christ il a enseigné, ils vont hériter du royaume des cieux. Dans le passage, c'est ce qui est décrit. Maintenant, ceux qui ont observé la loi que Jésus-Christ, non, les enseignements que Jésus-Christ a laissés, dans l'Apocalypse 1, le verset 1, on dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Au verset 8, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est Dieu qui parle au travers de Jésus-Christ. Et puis, c'est qui va hériter ce royaume-là? Je vais te répondre maintenant avec le livre de Matthieu. Parce que la Bible se complète. La Bible se répond par la Bible. Je te réponds rapidement. Tu vas voir, c'est qui va hériter ce royaume-là, rapidement. D'accord. Pierre, Matthieu 19, verset 27.
et chute. Je lis le passage. Pierre, prenant la parole, lui dit, il dit à Jésus-Christ, de son vivant, ça, il n'était pas mort, ce n'est pas une révélation. Dans la révélation, voilà ce qui est confirmé de son vivant. Il dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Pierre demande à Jésus-Christ de son vivant. Quel est le sort? Voilà ce que Jésus-Christ va dire maintenant, ce qui va arriver au jour dernier. Là. Il dit, Jésus répondit, Jésus leur répond, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, Jésus-Christ, au renouvellement de toutes choses, quand tout sera fini, quand Dieu va juger tout le monde, il dit, quand au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, à l'issue, Jésus-Christ sera assis sur le trône de sa gloire, il dit, vous qui m'avez suivi, les 12 apôtres qui ont suivi Jésus-Christ, il dit, vous serez de même assis sur 12 trônes. Vous allez hériter, vous allez vaincre ce bas monde-là de qu'on appelle du paradis. C'est-à-dire, vous serez assis sur 12 trônes aussi et vous jugerez aussi les 12 tribus de la maison d'Israël. Voilà ceux qui vont hériter du paradis. C'est pas toi, ce sont ces apôtres et ce qu'eux ils ont enseigné les Israélites, les Juifs. Voilà, j'ai répondu. Frère Oustaz, je te prends comme témoin pour dire, et je prends les auditeurs à témoin pour dire, pour leur faire comprendre que tu n'as répondu à ma question en aucune manière. Je t'ai demandé preuve à l'appui, même sans preuve à l'appui. Est-ce que tu es d'accord que Jésus appelle tout quiconque y hérite du paradis son fils? Jésus dit, je serai son Dieu et il sera mon fils. Est-ce que tu es d'accord par rapport à ça? Tu as raconté ta vie en disant comment non, quand vous allez hériter des 12 tribus d'Israël. Il ne s'agit pas de dire si oui ou non, les disciples hériteront des 12 tribus d'Israël. Il s'agit de dire si oui ou non, Jésus appelle ses interlocuteurs et ceux qui héritent du paradis, ses enfants. Tu n'as pas répondu. La réponse est oui. Jésus appelle bel et bien tous ceux qui croient en lui, ses enfants. Voilà pourquoi dans les passages de l'Évangile, il dit, lève-toi. Lève-toi, ma fille, ta foi t'a sauvée. La question que je t'ai posée est celle-ci. Pourquoi donc Jésus appelle ses interlocuteurs et tous ceux qui croient, ses enfants? Parce qu'il met en exergue ici son statut de père. Voilà pourquoi Ésaïe 9, verset 5 l'appelle père éternel. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est éternel. Maintenant, je vais te poser une autre question. Lorsque tu dis que tu as dit en Apocalypse que c'est... Attends. C'est à moi de te poser des questions maintenant. C'est à moi de te poser des questions, frère. Oui, pose la question, merci vas-y. Merci beaucoup. Voilà. Pardon, frère, si je te pose des questions, il faut prendre le calme, il faut te calmer, tu vas me répondre. Parce que dans Apocalypse, que tu as pris là, il dit que ce n'est pas Jésus qui parle, c'est révélation des gens, c'est les gens qui parlent là-bas. Ce n'est pas Jésus qui parle. Ok, je vais te poser maintenant ma question. Faut m'écouter très, très bien. Fais écouter, oh, frère. Ok. On va prendre le livre de Jean 20 que tu as pris là. Parce que moi, je te prends sur toi, mais ta propre parole. Parce que tu as donné le livre de Jean 20. Je prends le livre de Jean 20. Allô, frère, tu me reçois? Jésus-Christ dit, au renouvellement de toutes choses. Non, il dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Le Dieu que Jésus-Christ monte vers lui, là, c'est quel Dieu? Et il s'appelle comment? C'est ma question qui est là. J'ai déjà répondu à cette question en disant qu'il s'appelle Jéhovah. Et ce Jéhovah-là est agi en qualité de Père. J'ai déjà répondu à cette question. Maintenant, tu vas répondre aussi à ma question. Calme-toi. J'aimerais. Faut te calmer. C'est Jéhovah. Frère Oustaz Diané, est-ce que je suis agité là où je suis là? Mais ma question n'est pas répondue en fait. Si c'est Jéhovah là, c'est Jéhovah non? C'est Jéhovah. Faut répondre. Oui. Voilà. Oui. C'est Jéhovah non? Maintenant, donc Jéhovah n'est pas Jésus. Voilà sa question. Jéhovah, c'est le Père. Et c'est Jésus s'adresse. Et Jésus dit à ses disciples qu'il ira vers son Père. Et puis il s'adresse là, ainsi. Attends, il parle toi, ainsi frère, en qualité de fils. Faut te calmer. Si ça fait de t'agiter là, on peut surtout s'agiter. Faut te calmer. Pourquoi donc, tu t'agites?
Mon Père qui est votre Père. Donc, est-ce que le Père, le Dieu là, il dit mon Dieu qui est votre Dieu là, est-ce que les disciples là, c'est le Dieu qui est le Dieu que Jésus-Christ va monter vers lui là? C'est tout ce qu'il demande. Tu m'as demandé d'abord de un, de te donner l'identité ou alors le nom de celui dont tu parles. C'est lui ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Tu t'agis trop. Il dit, il faut écouter très bien. Au premier moment, tu as dit c'est Jéhovah. Il dit, ok, si c'est Jéhovah, donc, le Jéhovah, là, c'est, bon, c'est comme c'est pas écrit, même, c'est pas écrit. Le Dieu qui va monter vers lui, là, c'est le Dieu de ses disciples. Parce qu'il va, il dit, qui est mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Donc, le Dieu que Jésus-Christ va monter vers lui, non seulement c'est le Dieu de Jésus, mais c'est aussi le Dieu de ses disciples. N'est-ce pas? Là, on va continuer, on va avancer. Oui. Donc, les disciples, ils ont même Dieu que Jésus-Christ. N'est-ce pas? Oui. Donc, Jésus-Christ, lui et ses apôtres ont même Dieu, mais toi, ton Dieu, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Non, pourquoi? Parce que Jésus dit en Jean 10, 30, le Père et moi, nous sommes un. C'est-à-dire que Dieu, Jésus-Christ, est uni avec le Père. Jésus est uni avec Jéhovah. Lorsque les disciples appellent, ils sont fusionnés. Voilà pourquoi en Apocalypse 1, 18, lorsque tu dis que ce n'est pas Jésus qui parle dans l'Apocalypse, va lire Apocalypse 1, verset 18, où Jésus dit que j'étais vivant. J'étais mort. Attends! Oustache, j'allais permettre au moins ce que je m'exprime. Tu es un abri. C'est le petit poteau. C'est le changement de. Qui m'exprime? Permets-moi de m'exprimer, non? C'est dans la question, là, tu ne voulais pas le laisser répondre. Tu ne voulais pas le laisser parler. Et tu le coinçais, il répond. Lui aussi, il te demande pour que tu réponds. Après, tu poses ta question. J'ai dit à l'Apocalypse. Il a demandé de le laisser parler. Dit... Tu dis, tu ne veux pas. Maintenant, il te demande à son en Apocalypse. Frère Oustache Diané, il a dit que ce n'est pas Jésus qui parle dans l'Apocalypse. Je lui montre que c'est faux. En Apocalypse 1, verset 18, Jésus dit, je suis le premier et le dernier. J'étais mort et maintenant je suis vivant. Comme il dit que c'est Dieu qui parle, donc il confirme donc que Dieu était mort, c'est ça? Dieu meurt. Tu dis Jésus est mort. Dieu meurt. C'est pas ce que tu dis. Puisque tu as dit, attends. Il t'a demandé, attends, est-ce que tu confirmes que Dieu meurt? Parce que tu as dit que tu es d'accord que dans l'Apocalypse, là, c'est Jésus qui était mort. Il demande maintenant, est-ce que tu es d'accord que Dieu meurt? C'est ça ma question. Moi, je n'ai pas dit que c'est Jésus qui était mort. Hein. Il dit que Jésus-Christ, il est éternel. C'est ce qu'il a dit. Il est noté. Il dit Jésus-Christ est éternel. Il dit, mais toi, tu dis Jésus-Christ est éternel. Or, selon toi, Jésus-Christ, il est mort 3 jours et 3 nuits. Moi, je t'ai dit, selon Habacuc, Jésus, Dieu ne meurt pas. Mais selon toi, Jésus est mort. Tu as dit que c'est Dieu qui parle dans l'Apocalypse, oui ou non? Au travers de Jésus-Christ. Il a révélé ça à Jean. Ouais. Non. Tu as dit c'est Dieu qui parle dans l'Apocalypse. C'est ça ou c'est pas ça? J'ai dit c'est pas Jésus qui parle. Je t'ai pas dit c'est Dieu qui parle. D'accord. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui parle dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Continue, il faut évoluer. C'est Dieu qui parle dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Au travers de Jésus-Christ. Il a fait une révélation à Jésus-Christ. Bon, parce qu'ils ont dit en l'Apocalypse, attends. En l'Apocalypse 1, 18, lorsqu'il dit, je suis le premier et le dernier, j'étais mort, voici. J'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles. Qui parle là? Qui était mort? C'est à toi que je pose la question, réponds-moi. Non, moi, selon moi, Jésus-Christ n'est pas mort. Encore moins Dieu. Oui. Tu as dit que dans l'Apocalypse, tu as dit que ce n'est pas Jésus qui parle dans l'Apocalypse pour nier le fait que Jésus qui dit qu'il est Dieu. Maintenant, non, mon frère, non, attends, tu veux déjà fuir, ne fuis pas, ne fuis pas, ne fuis pas. Voilà, ne fuis pas. Tu as vu, moi, nous sommes collés comme ça. Hein? Nous sommes collés comme ça. Tu comprends, mon frère, nous sommes collés, nous sommes frères. Voilà, j'aime quand on sourit. Tu comprends, nous sommes collés, on va pas à pas. Tu as dit que ce n'est pas Jésus qui parle dans l'Apocalypse. N'est-ce pas? Tu as dit que ce n'est pas Jésus qui parle dans l'Apocalypse, que c'est Dieu qui parle. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ a dit qu'il est Dieu en Apocalypse 21, verset 7, tu as dit que c'est Dieu qui parle. En Apocalypse 1, verset 18, maintenant, Jésus dit, voici, je suis le premier et le dernier. Voici, j'étais mort et je suis vivant maintenant au siècle des siècles. Qui parle là? Ok, je peux te répondre maintenant? Oui. Ok, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Ici, c'est lui qui parle. Faut écouter très bien. Quand tu dis, quand ici, là, il s'est écrit que j'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles. Selon toi, Jésus-Christ, il est où actuellement? Jésus-Christ est au paradis, assis à la droite de son Père Jéhovah maintenant. Il est assis.
À la droite de son père, oui. Qui est son père? J'ai déjà répondu à cette question en disant que c'est Jéhovah. Réponds maintenant à ma question qui parle en Apocalypse 1:18. Attends, il est assis de son père, il est assis à côté de son père. Oui. Donc, il y a deux dieux qui sont assis parce que Jésus-Christ est le Dieu et puis il y a Dieu, Jéhovah qui sont, ils sont assis. Les deux sont assis, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas deux dieux. Il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Jean 10:30, le Père et moi, le Père et moi, nous sommes un. Il s'agit d'un seul et unique Dieu. Je te convie à lire Psaume 45, verset 8, où David dit ceci. Ô Dieu, ton Dieu t'a ouvert une huile de joie par privilège sur tes collègues. David, qui était ton monothéiste, dit ceci à Jésus. Ô Dieu, ton Dieu. C'est-à-dire que Jésus, qui est Dieu, il dit encore, ô Dieu, ton Dieu t'a ouvert une huile de joie par privilège sur tes collègues. J'aimerais donc que tu répondes. C'est donc pour te dire, frère, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais Jésus-Christ est Dieu. Jéhovah, son Père, est Dieu. Mais il ne forme qu'une seule entité divine. Réponds maintenant à ma question. Qui parle en Apocalypse 1:18? Il vous reste une minute pour parler de l'émission. Lorsque tu es en train de parler, je me suis rappelé de quelqu'un qui était né aveugle pendant le ministère de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, il a fait un miracle devant lui et il a mis sa main sur son visage et que le monsieur, ses yeux, sont revenus, ils voient clair. Et que beaucoup de gens se sont interrogés, se sont posés beaucoup de questions, à savoir, mais lui là, comment il fait les miracles? Toi, il y en a qui disent il est Dieu, comme toi. Il y en a qui disent non, il est le Christ, comme nous. Il y en a qui disent il est prophète, comme nous. Mais ceux qui disent qu'il était Dieu là, ils ont insisté à ce que l'aveugle même, il dit la vérité. Dans Jean 9, verset 17, on dit il a eu division parmi ceux-là. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de celui qui a ouvert les yeux? Voilà, soit écoutez ce que l'aveugle né va dire. Il répondit, c'est un prophète. Toi, tu es né ici à Abidjan, tu dis Jésus-Christ, il est Dieu. Mais c'est lui-même qui est né avec, entre toi et lui. Lis la suite, lis la suite, lis la suite de ce que l'aveugle l'a dit. Va sur le verset, tape tout le passage. En fait, je vais te faire comprendre quelque chose. Cite le passage. Je vais te bloquer. Jésus-Christ est le prophète. Je vais te bloquer. Cite le verset. Frère Oustaz Djané, demande à ton disciple de citer le passage. Cite le passage. Nous allons sur le passage. Je te bloque. Frère Oustaz Djané, demande-lui de citer le passage. Nous partons sur le passage. Tu peux me laisser parler au moins? Tu peux me laisser parler? Moi, je vous écoute. Hein. Ok, merci. Cite le passage. Cite le passage biblique, frère. Faut m'écouter. Je t'écoute très bien. Cite le passage biblique. C'est un prophète, un aveugle né. Oh. Dit, toi, tu es au Cameroun. Mon frère, cite le passage. Cite le passage où il dit qu'il est prophète. Cite-moi le passage où Jésus dit qu'il est prophète. Où Jésus dit qu'il est prophète. Cite-moi le passage. Cite-moi le passage où. Frère Oustaz Djané. Je te donne 10 passages où Jésus dit qu'il est prophète. Allô. Cite-moi le passage où l'aveugle a dit que Jésus est un prophète et je vais te montrer dans ce passage-là, dans les versets qui suivent, que Jésus est effectivement Dieu. Alors doucement. Voilà, il faut qu'on mette de l'ordre un peu. Moi, je vais voir clair dans cette histoire. Frère Christophe, que François plutôt, il a dit qu'il y a un aveugle de naissance à qui Jésus a redonné la vue. Et le monsieur, on lui a demandé qui t'a ouvert les yeux. Et le monsieur répondit, celui qui m'a ouvert les yeux est un prophète. Est-ce que François, tu es d'accord avec ça ou pas? Je serai d'accord lorsqu'il va montrer le verset biblique qui le dit, pour que je lui montre dans ce même passage biblique où le même aveugle, lorsqu'il est devant Jésus, confesse que Jésus-Christ est Dieu. Qui nous donne dans ce passage? Nous sommes à la DDR. Donc la DDR... On va doucement, Jean 9, versets 15 à 17. Voilà. On va vérifier et puis on va vous donner deux minutes chacun. Voilà, que les auditeurs... Allô, on va vous donner 2 minutes chacun pour donner votre mot de fin pour qu'on puisse avancer. L'objectif ici n'est pas de montrer la supériorité de qui que ce soit, mais c'est d'établir la vérité. Tu comprends? Voilà, donc Jean 9. Et puis après, François, tu vas donner aussi un verset qui va contester ce qu'il a dit là, quoi. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'il dit. Il a donné un verset où il dit que l'aveugle même a dit que Jésus est prophète. Après, toi, tu as donné le verset où ça conteste ça. Donc, Jean 9, versets 15 à 17. OK. Oui. On dit de nouveau, les pharisiens aussi
demandèrent comment il avait recouvert la vue, ces pharisiens-là. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. L'aveugle dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux et je me suis lavé, voilà que je vois. Sur quoi quelques pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dire, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? On dit, il a eu division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur qui t'a ouvert les yeux? Il répondit, l'aveugle répond, c'est un prophète. Les Juifs n'ont pas cru qu'il a été aveugle et qu'il a eu recouvri la vue jusqu'à ce qu'ils ont eu à faire venir ses parents. Les pharisiens, d'accord, les Juifs, ils ont fait venir ses parents parce qu'ils n'ont pas cru. D'accord. Voilà le verset qu'il a donné. L'aveugle dit, Jésus, celui qui m'a ouvert les yeux est un prophète. Donc, François, contestation. Ça, parents, je vais récapituler rapidement. Ils ont fait, d'accord, venir les parents même de l'aveugle. Et puis, ils ont répété la question. Mais les parents disent, mais il est bien grand, demandez lui-même. L'aveugle même répète, il dit, je vous ai déjà dit. Qu'est-ce qu'il avait dit? Donc, il a dit, c'est celui qui m'a ouvert les yeux est un prophète. Donc, vous contestez avec quel verset? Voilà. Je précise maintenant, en citant Jean 9 toujours, n'est-ce pas? Verset, oui. À partir du verset 35. Quand Jésus rencontre l'aveugle, qu'est-ce qu'il dit à l'aveugle? Jésus, verset 35, Jésus, ayant appris qu'ils avaient chassé l'aveugle et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Mm-hmm. L'aveugle répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Mm-hmm. Jésus dit, tu l'as vu, c'est-à-dire que Jésus-Christ dit qu'il est le Fils de Dieu, tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et l'aveugle, et celui qui était aveugle, dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna. Et il se prosterna devant Jésus. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que Jésus est Dieu. Il a en lui. Il a en lui. Je suis le modérateur. Je suis le modérateur. Pourquoi tu t'agites? Si elle... Attendez. Je suis le modérateur. S'il y a une erreur, okay, il corrige. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit là-bas qu'il est Dieu. C'est toi-même qui ajoute ça. Attends. Il a dit, j'ai dit qu'il est fils de Dieu. N'est-ce okay. pas? Voilà, là, on est d'accord. J'ai dit qu'il est fils de Dieu. Jean 5, je reviens encore en Jean 5, verset 18. On peut venir en Jean 5, verset 18. Restons, allô, doucement. On est dans Jean 9. Restons dans Jean 9. On est dans Jean 9. Lorsque nous restons en Jean 9, n'est-ce pas? Je veux savoir, est-ce que l'aveugle lui a dit il est Dieu ou fils de Dieu? Je veux savoir simplement. L'aveugle a dit il est fils de Dieu et il a appelé Seigneur. Il a appelé Seigneur. Nous sommes d'accord, grand frère? Je suis d'accord. Donc, attends, je veux comprendre. Hein. C'est parce qu'il a appelé Seigneur qu'il est Dieu ou pas? Il l'a appelé Seigneur et il s'est prosterné devant lui après l'avoir appelé encore fils de Dieu. Nous sommes d'accord? Je veux comprendre. C'est quelle partie qui a fait qu'il est Dieu là? C'est le mot Seigneur ou bien c'est quand il s'est prosterné? C'est le mot fils de Dieu. Fils de Dieu mis avec grand F. Fils de Dieu. Donc, comme il a appelé fils de Dieu, c'est ce qui fait de lui Dieu ou bien? Je veux comprendre. C'est ce qui fait de lui Dieu en vertu de ce qui est écrit en Jean 5, verset 18. Donc, l'aveugle lui a dit, fils de Dieu, c'est ce qui fait de lui Dieu. C'est ce qui fait de lui Dieu. Et ensuite, merci. On nous montre qu'il s'est prosterné voilà, devant c'est ce Jésus. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, je peux poser ma question. Non, si on va sur cette base-là, on peut se comprendre. Hein. Parce que tu as dit, l'aveugle a dit qu'il est fils de Dieu et il s'est prosterné oui. devant lui. C'est ce qui fait de lui Dieu. Maintenant, nous oui. disons, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il a dit, le fait que l'aveugle appelle fils de Dieu, eux se procèdent devant lui, parce qu'on ne se procède que devant Dieu. Oui, je ne suis pas d'accord avec. Pourquoi? Pour la simple bonne raison, c'est que Jésus-Christ n'a jamais demandé à l'aveugle de se procéder devant lui. Et puis le fait que Jésus-Christ, l'aveugle appelle, qu'on appelle Jésus-Christ fils de Dieu, ne fait pas de Jésus-Christ Dieu. Pourquoi? Je m'explique. Voilà. Parce que dans Matthieu 5, le verset 9. Il a dit aussi Seigneur. Hein? Il dit le gars l'appelait Seigneur aussi. Hein? Voilà. Donc. Non, Seigneur ne veut pas dire Dieu. Seigneur, ça veut dire maître. Parce que Abraham a été appelé Seigneur par sa femme. Moïse a été appelé Dieu. On ne l'a pas appelé Dieu. Seigneur, ça veut dire maître. Ça ne veut pas dire Dieu.
Tu comprends? Tu es d'accord, donc, tu es d'accord que Jésus dit qu'avant qu'Abraham fût, il non, est. Non, on n'est pas encore là-bas. On n'est pas encore là-bas. On est 6 Jean 9, pardon. On va l'étape par étape. Quand tu fais comme ça, on va se perdre. Et parce que tu as dit, comme l'aveugle l'a appelé fils de Dieu et Seigneur, il s'est procédé. C'est ce qui fait de lui Dieu. C'est la partie. C'est parce qu'il a parlé d'Abraham. On n'est pas encore à Abraham. Tu as fait perdre les fils. Il faut qu'on reste dans ça là. Le voilà, fait de l'appeler fils de Dieu là, si ça fait de lui Dieu là, on va voir, il va répondre non. Et puis après, on revient à toi. Grand frère, c'est parce qu'il a parlé d'Abraham. Il a parlé d'Abraham. Doucement, faut pas faire, faut pas faire, les gars vont s'embrouiller. Tu as dit le fait de l'appeler fils de Dieu fait de lui Dieu. Il va répondre. Selon lui. Oui. Selon lui. Selon le frère voilà. François, le fait qu'il a appelé Jésus-Christ fils de Dieu ou bien Seigneur, ça fait de Jésus-Christ Dieu. Maintenant, l'aveugle même va donner l'identité de Jésus-Christ. Et voici toi, François, ou bien l'aveugle, qui dit la vérité. L'aveugle dit, c'est un prophète. Est-ce qu'il a menti? Il n'a pas menti parce que Dieu lui-même peut... Le prophète signifie... Attends, prophète vient de l'hébreu. Attends, il faut savoir déjà, ce que signifie prophète. Il faut savoir déjà ce que signifie prophète. La signification, on va gagner temps. C'est pas de définition. Moi, ma question est là. Hein. Jésus est prophète ici. Jésus est prophète ici. En tant que fonction, c'est cela. Jésus est prophète ici. Tu avais dit. On n'a qu'à montrer le passage où l'aveugle l'a appelé prophète. On a montré le passage. Tu as dit maintenant que le même aveugle, Jésus lui a dit, et tu crois au Fils de Dieu? Il dit oui. Et il s'est prosterné devant lui. On est toujours dans Jean 9 là. On n'a pas encore fini. Lui, il va donner maintenant l'explication. Si le fait de l'appeler fils de Dieu fait de lui Dieu, il va s'expliquer. Puisque toi, tu as confirmé ça. Parce qu'on l'a appelé fils de Dieu, ils sont prosternés devant lui. Lui, il va dire s'il est d'accord. Et puis après, on passe à toi. Tu donnes un autre passage et puis on décortique ça au fur et à mesure. Allons-y. Voilà, merci beaucoup. Et puis, quand il dit qu'il s'est prosterné devant Jésus-Christ, l'aveugle n'a pas prosterné devant Jésus-Christ. On dit qu'il a rendu témoignage. C'est-à-dire, il ne s'est pas prosterné. Si le verset. Attends, doucement. Tu le coupes à il a rendu hommage au où? Faut t'éteindre. Qui cite la Bible? Qui cite la version de la Bible qui dit qu'il a rendu hommage? Qui nous cite parce que les auditeurs nous suivent? Ok. C'est Jean 9, verset combien? Jean 9, verset combien? Je veux que tu te calmes, frère. Faut te calmer. Hein? On est dans un dialogue. Faut te calmer. Quand l'autre parle là, prends la peine. Après, quand tu as parlé là, il va t'écouter aussi. Qui ici n'est pas d'accord? Parce que c'est Jean 9, verset combien? Jean 9, verset combien? Le quoi? Il ne connaît pas le verset. Où il dit que c'est prosterné? 35. 35. Ok, je vais lire le passage, je veux qu'il m'écoute attentivement. On dit, Jésus apprit qu'il avait chassé dehors et il l'ayant trouvé, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, qui est le Fils de Dieu? Il dit, comment on appelle Seigneur? Qui est le Fils de Dieu, Seigneur? Il dit, afin que je croie en lui. Jésus lui répondit, et tu l'as vu? C'est lui qui te parle, c'est lui. On dit, l'aveugle, il dit, j'ai dit, je crois Seigneur, et il lui rendit témoignage. Lui, dans sa Bible, là, c'est prosterné. Dans ta Bible, c'est témoignage. C'est rendu hommage. Donc, c'est la version des Bibles différentes. Okay. Maintenant, ce qu'il faut prendre, c'est que en fait, parce quand que toi, on dit, tu l'expliques ça, il ne faudrait pas qu'il va penser que tu as troqué le verset. C'est une autre version que tu utilises. J'utilise la Bible d'Arbi. Voilà. Tu vois? Pour qu'il comprenne la Bible. Voilà, c'est la Bible d'Arbi. Quand on dit il lui rendit hommage, c'est comme il le salue en fait. Il le salue comme un maître. Tu comprends? Il ne s'est pas prosterné pour l'adorer. Jésus-Christ a dit à Satan, il dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur. Tu te prosterneras devant le Seigneur, ton Dieu, et tu l'adoreras lui seul. Il s'est pas prosterné pour l'adorer, mais plutôt il s'est prosterné pour le saluer, pour le rendre hommage. Il ne s'est pas prosterné pour l'adorer, parce que Jésus-Christ n'a jamais demandé de l'adorer. Je sais pourquoi il a demandé l'identité même de Jésus-Christ. Ce n'est pas divin,
C'est pas Jésus-Christ, c'est pas Dieu plutôt. C'est pas Dieu. L'aveugle a répondu précédemment. Il a répondu en haut là-bas. Où il dit Jésus-Christ là, c'est un prophète. Et puis quand il dit Jésus-Christ, il est le fils de Dieu. Le fils de non, Dieu. Non, c'est toi qui dois parler. Non, tu peux pas. Non, c'est pas le temps. C'est pas une question de temps. C'est pas une question de temps. Tu veux parler, le fils François. De Dieu. Le fils de oui, Dieu. Oui, oui, je veux parler. Parce que non, il a dit le fils de Dieu, c'est pas Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec Dieu. Lui, François? Parce que non, il a fini. Alors, je ne suis parce que non, il est fini. Parce que dans la Bible, on dit dans Matthieu 5, verset 9, on dit tous ceux qui procurent la paix sont fils de Dieu. Dans Romains 8, verset 14, on dit tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Adam est fils de Dieu. Ephraim est fils de Dieu. François. Tu comprends? Voilà. François. Est-ce que tu es d'accord que le fils de Dieu, c'est Dieu, c'est pas Dieu? Parce qu'il a dit le fils de Dieu, c'est pas Dieu. Il a dit que Jésus a été appelé dans le passage fils de Dieu et non Dieu. Qu'est-ce que tu en dis? Je ne suis pas d'accord quand il dit que parce que Jésus est appelé fils de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu regardes bien, fils de Dieu ici, c'est avec grand F. Et lorsqu'on dit que tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui croient en Dieu seront appelés fils de Dieu, ou alors tous ceux qui font la volonté du Père seront appelés fils de Dieu, allons-y dans Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12 nous dit quoi? Jean 1, verset 12 nous dit ceci. Nous dit que, à partir du verset 9, avec Jean 12, on nous dit, voilà, après Jean 12, Jean vous allez 1, avoir les deux minutes de conclusion. Jean 1, okay. Jean 1, verset 9 à 12. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière, c'est Jésus. Verset 10, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12 maintenant. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est Jésus qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et Jésus est fils de Dieu, c'est avec grand F. Voilà pourquoi en Jean 5, verset 18, on va lire ceci, Jean 5, verset 17 d'abord. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Verset 18, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à mourir, non seulement parce qu'ils violaient le sabbat, mais parce qu'ils appelaient Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Tu dois donc comprendre que Jésus est fils de Dieu, ce qui fait de lui Dieu. Mais les autres qui sont appelés fils de Dieu ne sont pas Dieu parce que c'est Jésus qui fait d'eux des enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Et je lui ai posé une question. Lorsqu'il dit, il ne m'a toujours pas répondu concernant l'Apocalypse. Je lui ai demandé de nous dire ceci. Qui parle en Apocalypse 1, verset 18? Voici, je suis le premier et le dernier. J'étais mort. Et je suis vivant maintenant au siècle des siècles. Il a dit que ce n'est pas Jésus qui parle dans l'Apocalypse. Moi, j'ai dit que c'est Jésus qui parle dans l'Apocalypse, bien que ce soit le Père qui lui ait donné la révélation. C'est Jésus qui parle dans l'Apocalypse. Il m'a dit que non, que c'est Dieu qui parle. Du moment qu'il dit que c'est Jéhovah qui parle, qui nous dise alors si c'est Jéhovah qui a dit ceci? J'étais mort et j'étais vivant. Qui nous dise donc qui parle François, en Apocalypse 1, verset 18? Merci. Merci beaucoup, François. Moi, j'ai une question à vous deux. C'est la dernière question. François et Nourdine. Est-ce qu'il y a une différence entre Jéhovah et Jésus? Voilà ma question. Donc, Nourdine et François. François, tu peux répondre, Nourdine peut répondre. C'est la seule question que j'ai à poser. Est-ce qu'il y a une différence entre Jésus et Dieu, Jéhovah? Parce qu'il parle de Jéhovah, lui aussi il parle de Dieu. Maintenant, on veut comprendre. Est-ce qu'il y a une différence entre Jésus et Dieu, Jéhovah? Il y a une... Ok, je prends la parole. Commence. Oui. Ok, il y a une différence entre Jésus et Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu dit que lui, il est éternel. C'est-à-dire qu'il n'a ni commencement de jour, ni fin. Il ne meurt pas. Or, nous savons très bien que dans Matthieu 1, le verset 21, Jésus-Christ, il est né par Marie. Et Dieu le Tout-Puissant, il n'a jamais dormi. On nous dit dans Matthieu 23, Jésus-Christ, il a dormi. Dans Luc 24, Jésus-Christ a mangé. Dieu n'a jamais mangé. On nous dit, Dieu ne meurt pas. Dans Habakkuk 1, le verset 12, Dieu ne meurt pas. Mais dans la Bible, dans Matthieu, dans Luc, dans Jean, on nous dit Jésus-Christ, il est mort. Jésus-Christ va nous donner maintenant clairement quelle est la différence entre lui-même et Dieu. Dans Jean 17, le verset 3, il dit, « Pourtant, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Il y a le vrai Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ, il est l'envoyé et Dieu est l'envoyeur. Voici la différence.
François, quelle est la différence par rapport à tout ce que lui a dit aussi? Quelle est la différence Voilà. entre Dieu et entre Jésus et Jéhovah? Il faut déjà savoir que Jésus signifie Jéhovah sauve. Le Père et Non, je ne moi, parle pas nous de la sommes un. signification, hein. Attends, je suis en train de répondre, grand frère. Tu n'as pas intervenu quand l'autre parlait. Merci. Je vais Jésus marquer le temps. J'ai signifie posé en la question, c'est hébreu. bon. Oui, merci. Tu n'as pas posé la question quand l'autre parlait. C'est ce que je constate. Mais tu réponds Merci. à une question que je n'ai pas posée. C'est Je suis en normal que train je de réponds. répondre. Je suis en train de Allons-y. répondre. Je suis en Allons-y. train de dire que. Je suis en train de dire que Jéhovah et Jésus, c'est un même Dieu. Pourquoi? Parce qu'en Ésaïe 43, verset 11, Dieu dit ceci: c'est moi, je suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a pas de sauveur. Qu'est-ce que Jean 1, verset 18, Jean 1, verset 18 dit? Voici Jean 3, verset 19. Le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En Jean 12, verset 47, Jésus dit qu'il est sauveur du monde. Or, en Ésaïe 43, verset 11, on nous dit qu'il n'y a pas de sauveur à part Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ est Dieu. Bien que Jésus-Christ dorme, bien que Jésus-Christ mange, cela n'enlève en rien sa qualité de Dieu, parce qu'on nous dit dans Jean 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, que Jésus était la parole qui existait avant que le monde soit. Jean 17, verset 5, c'est bien qu'il cite Jean 17, verset 3, qui dit que qu'il te reconnaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus-Christ met en exergue le fait que son Père soit Dieu, mais c'est également lui qui a été envoyé, Jésus-Christ, le Christ. Que signifie Christ? C'est celui qui demeure éternellement. Qu'il réponde à ma question. Est-ce qu'un homme peut être éternel? La réponse est non. Parce que Jean 12, 34 nous dit que le Christ demeure éternellement. Un homme ne peut pas être éternel. À moins qu'il ne nous dise que ce que tu lui as enseigné, qu'un jour, qu'un homme peut être éternel. Du moment qu'un homme ne peut pas être éternel, ça signifie que Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est Christ. C'est-à-dire que ça veut donc dire qu'il n'y a pas de différence entre Jéhovah le Père et Jésus le Fils, bien que Jésus exerce ses attributs d'être humain. Cela n'enlève à rien le fait qu'il soit éternel, au même titre que le Père, parce qu'en Apocalypse 1, verset 18, il dit qu'il est vivant au siècle des siècles. J'en ai terminé. D'accord. Les Et deux filles nous ont maintenant, compris. et Non, le débat maintenant, est terminé. Nous, routine, rien ok. à dire encore. Le débat est Voilà. terminé. C'est On va terminé. terminer. C'est On va lui donner terminé. 2 minutes chacun. 2 minutes chacun Ok. pour conclusion. Voilà, 2 minutes Ok. chacun pour conclusion. 2 minutes Ok, pour vous merci. adresser aux internautes. Également, voilà, l'esprit de fraternité entre vous. En tout cas, sans commentaire, les auditeurs ont compris la réponse des part et d'autre. Les intelligents ont compris la réponse des uns et des autres. Nos commentaires, voilà, vous avez 2 minutes chacun. Voilà, donc allons-y. Ok. Déjà, merci beaucoup, voilà, de m'avoir donné l'opportunité de passer à merci à comment on appelle à cet échange fraternel avec le frère François. Voilà, frère François, sache que nous sommes dans une conversation, dans une causerie, voilà, une causerie amicale, d'amitié, pour vraiment s'enrichir. Je vais apprendre de toi, tu vas apprendre de moi. C'est pas une histoire de se chamailler, voilà. C'est juste, souvent quand c'est un peu tendu, voilà, ça a des trucs qui sortent, mais ça se comprend. Déjà, moi, je dis merci, Inch'Allah, à tous de nous avoir suivis. Inch'Allah, restez aussi connectés toujours. Mais je vais donner deux versets pour conclure rapidement. Et puis, le frère François va aussi conclure, si Dieu le veut. 1 Timothée 2, le verset 5, Paul nous dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Paul dit Jésus-Christ, homme. Voilà, Paul dit Jésus-Christ homme dans 1 Corinthiens 11, le verset 3 également. Paul va aussi dire, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est chef de la femme et que Dieu est chef de Christ. Donc, il est en train de nous montrer ici la différence entre Dieu et Christ, entre Dieu et Christ. Le Christ, il est l'envoyé et l'envoyé, c'est Dieu. Donc, sur ce, que Dieu aussi nous donne la bonne compréhension. Et puis, j'exhorte à mon frère François d'aller beaucoup aussi s'ancrer, voilà, d'aller aussi s'améliorer un peu. On va ici, les jours à venir, on va aussi échanger, si Dieu le veut. Merci beaucoup. Sur ce, Merci beaucoup, salam alaykoum. Noureddine. À toi, François Oba. Voilà, je remercie l'Éternel parce qu'il m'a accordé la possibilité de prêcher, car la Bible dit qu'ils sont beaux les paroles de ceux qui annoncent, qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent l'Évangile. Je vais renvoyer le frère Noureddine en lui demandant d'aller encore mieux se former, parce que son Coran dit que c'est lui qui vient vers moi pour que je l'enseigne. Sourate 10, verset 94 et Sourate 21, verset 7, parce que je suis un homme du livre. Maintenant, lorsqu'il dit que Dieu
Le Père est le chef de Jésus, et tout comme Jésus est le chef de l'homme, tout comme l'homme est le chef de la femme, qu'il ne manque pas les auditeurs, parce que du moment, bien que l'homme soit le chef de sa femme, la femme demeure un être humain au même titre que l'homme. C'est-à-dire que bien que le fait que Jésus soit subordonné à son Père, ça n'enlève en rien le fait qu'il soit Dieu. Je vais lire, il a cité deux passages, je vais également le faire. Hébreux 1, verset 6, et voici ce que il est écrit. Et lorsqu'il est introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, Jésus est appelé le premier-né. Ça ne veut pas dire qu'il a été créé, parce que le titre premier-né, c'est une expression essentiellement prophétique. La preuve en est que David fut appelé premier-né dans le psaume 89, verset 28. Jésus, David est appelé premier-né là-bas, alors qu'il était dernier-né de sa famille. Mais il est appelé premier-né parce que c'est un titre honorifique. Il est appelé, et lorsqu'il est introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est le Père qui dit ceci, que tous les anges de Dieu adorent Jésus-Christ. Et il dit encore, de plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est-à-dire qu'on appelle le Fils, ô Dieu, ton trône est éternel. Jésus-Christ est éternel, Jésus-Christ est Dieu. C'est aussi Merci. Simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et j'appelle Merci. Le frère Noureddin, s'il veut encore des échanges supplémentaires, moi je suis disponible. Le frère Oustaz Diané peut lui donner mon numéro. Comme je demande également le numéro de frère Noureddin, nous allons continuer à échanger en toute fraternité. Oui, merci. On va revenir sur le plateau ici, ou d'autres thèmes, Inch'Allah, avec d'autres personnes. Demain, Inch'Allah, connaît l'un des membres de la DDS, s'il se porte bien parce qu'il est un peu malade, il sera de la partie, Inch'Allah, avec un frère de la RDC, République démocratique du Congo, pour un débat également sur le StreamYard. Dimanche, Inch'Allah, je vais recevoir le frère Malik. Malik, c'est un frère chrétien devenu musulman. Voilà, il a vraiment apprécié nous rencontrer. Quand on partait à Korogo, il m'a appelé. Il a fait beaucoup de témoignages. Je lui ai dit, bon, je vais organiser une émission pour qu'il passe pour donner son témoignage à ceux qui n'ont pas encore compris le bien fondé de l'islam. Et le lundi, Inch'Allah, je vais recevoir Aziz Khan le lundi dans l'émission Cours biblique et Coranique. Mais en attendant de recevoir Aziz Khan, Aziz Khan avait envoyé un message. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir, mon frère. Je te contacte urgemment, n'est-ce pas, pour que tu fasses cette annonce. On a tous des problèmes, mais ce problème-là, c'est tellement grand que j'ai oublié pour moi-même quoi. C'est un vrai qui est pour nous. Sa famille est malade. Il est tombé malade. On veut qu'il retourne d'abord à la mécréance, au christianisme, avant qu'il les soigne. Donc, sur le groupe WhatsApp, on a entré, ça a aidé un peu, mais maintenant, c'est un peu là. Parce que chaque mois, c'est un truc de 350 000 francs. Si tu peux par mon nom, ça je le fais solennellement, si tu peux par mon nom, dire à ce qu'il y en a un de ses frères qui est au Cameroun, qui est converti aussi, qui est gravement malade, et tu essaies de faire un truc comme ça, à cause d'Allah, pour ceux qui veulent venir en aide, Inch'Allah, donc à faire un geste. Ça se fait vraiment solennellement, Inch'Allah. Merci beaucoup, mon frère. Merci, Aziz Khan. Merci pour tout ce que tu fais pour l'islam dans le monde entier. Lui-même, Aziz Khan, a été converti. Donc, il se met à la place du frère, hein, par rapport à ce que le frère ressent. Voici l'image du frère qui va passer ici. Vous allez voir, c'est un peu choquant, mais bon, allons-y. Vous voyez, il est couché là. Il n'a pas de soutien en ce moment. Il est au Cameroun. Toute sa famille l'a abandonné parce qu'il s'est converti à l'islam. Il est gravement malade. Et on nous a donné des numéros pour contacter ceux qui veulent le soutenir. Vous pouvez appeler les numéros des frères musulmans qui l'ont en charge en ce moment. Plus 237, 78, 18, 59, 25. Je répète, plus 237, 78, 18, 59, 25. Qu'Allah nous donne la santé à tous. Vraiment, merci à tous ceux qui ont commencé déjà à appeler. Vraiment, qu'Allah vous récompense. C'était l'émission Cours biblique et coranique. Un débat a eu lieu tout à l'heure. Merci à vous qui sommes restés à notre compagnie jusqu'à ce jour. Inch'Allah, demain samedi, la DDS sera au collège Sebago, à Yopougon, cité Fermont, cité verte, je me trompe toujours, cité verte, hein, après Nouvelle-Afrique. Voilà, dans le collège de 10h, demain samedi 21, de 10h
à 13h. La DDS sera là au grand complet, Inch'Allah, pour une conférence avec les élèves de l'AMC, du lycée, du collège également. Voilà, les gens viendront de partout, Inch'Allah. Venez nombreux, on va partager la parole spirituelle ensemble. Barakallahu fikoum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. J'oubliais, la DDS sera à Bangourou. Voilà, on m'a dit de rappeler le WhatsApp. Nous serons à Bangourou, Inch'Allah, à Bangourou le jeudi 26, à Bangourou le 27, nous serons à Niansoué le 28, toujours à Bangourou. Voilà, vous voyez la bande annonce qui passe en bas, à Bangourou toujours, au château, Kati Château. Hein, voilà. Et le 29 dimanche pour l'apothéose également. Il y a beaucoup, beaucoup de surprises qui vous attendent là-bas, Inch'Allah. La DDA à Bangourou 10, 26, jeudi 26 au vendredi, 20, samedi, dimanche. Voilà, à Niansoué, 16h, 18h, à la place de Carrefour. Ça, c'est à Niansoué. Samedi 28, à l'espace de la solidarité au château à Bangourou. Le dimanche, toujours à l'espace de la solidarité au château. Pour l'apothéose, ça c'est le dimanche 29. Mais sans oublier que du 3 au 4 juin, nous serons à Toumoudi, Inch'Allah. Le col, ou bien le, je sais pas, c'est l'école Rambo, on sera devant. Attends, je vais voir l'annonce que mon collaborateur Salam m'a envoyée. Voilà. Toumoudi, acte 2, vendredi 3, du 3 au 4, hein, 16h, 18h. Hôtel Rambo, voilà, c'est Hôtel Rambo. Moi, j'ai mis vendredi 3, mais c'est du 3 au 4. Hein, vendredi 3 et samedi 4, Inch'Allah. Voilà. Donc, voilà, ça y est là. Samedi 4 juin également. Là, c'est 20h, 22h à l'apothéose, à la place Bazazouzou de Toumoudi. Voilà, je dis à Bangoura encore, Toumoudi. Voilà, merci beaucoup. Voici le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Cette fois-ci, le message est passé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.